et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Nawaz Nourbeux, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Au cœur de la campagne. Comme chaque après-midi, nous proposons un débat thématique dans le cadre campagne électorale. Et aujourd'hui, c'est l'économie qui est au centre de ce débat, Jagdish Joypol. Donc l'économie avec plusieurs volets au cours de ce débat. Bien sûr, d'abord, nous vous faisons un état des lieux de la situation et puis nous vous faisons une analyse sectorielle et nous pouvons écouter les propositions de nos invités. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur, bonsoir également tout bon internaute qui peut suivre nous ce soir. Donc, fonctionnement NPI, les reposes, l'économie. C'est-à-dire revenus, dépenses, production, consommation, la richesse, la misère, tout ça lié étroitement lié avec l'économie. C'est une base qui tous nous la vit tous les jours. Nous avons un terme tous les jours, c'est-à-dire dans le quotidien, par exemple, croissance, investissement, chômage, l'emploi, coût de la vie, pension, dette publique. 20 jours avant l'élection générale, il est essentiel pour une partie politique qui peut présenter dans l'élection, dire à la population qui est projet économique, dans quelle direction le pays peut aller. D'abord, Nawaz, nous pouvons aborder comme un premier thème, nous faisons un constat de la situation actuelle sur le plan de l'économie. Deuxième, analyse un secteur qui pays dépannent comme Adicic, textile et le tourisme, le secteur manufacturier. Et troisième, comment pour finance, une proposition populaire ou populiste qui peut faire, comment augmentation pension. Et quatrièmement, proposition l'économie surtout bleue, l'économie verte, l'économie numérique. Donc nous pouvons attendre un débat et surtout un élément de réponse d'un débat que nous souhaitons pour objectif et équilibré. Oui, c'est un débat d'idées, l'économie, avec nous en studio, nous avons trois invités qui maîtrisent la chose économique. Le docteur Ramasitanen, ancien ministre des Finances et candidat de l'Alliance Parti Travailliste PMSD au numéro 18. Ramasitanen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous mes auditeurs et auditrices de Radio Plus. Le docteur Renganaden Padayati, ancien First Deputy Governor de la Banque de Maurice et ancien Chairman de la Financial Services Commission, candidat de l'Alliance MSM-ML au numéro 13. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jagdish, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Reza, bonsoir Rama, bonsoir les auditeurs et auditrices. Et Reza Yutim, président de la commission économique du MMM et candidat dans la circonscription numéro 2. Reza Yutim, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish, bonsoir les invités et tous les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir. Alors, l'auditeur est capable de se téléphoner nous dès maintenant, le 208 49 99 ou le 59 99 propose de bonnes questions à nos bonnes invités. Renganaden Padayati, je connais ou pas ne faire partie de sa gouvernement sur autant là, mais c'est où, heureusement ou malheureusement, que vous êtes défendre le bilan économique de sa plateau là aujourd'hui. Alors, avant qu'il donc, nous adresse la première question, juste un petit précision, un petit rappel pour ceux qui déjà connaissent. Étant donné dans une campagne électorale, nous pouvons appliquer un timer pour qu'il nous capable d'allouer un temps d'antenne équitable à nos invités. Alors, Renganaden Padayati, me donne trois minutes pour commencer, pour dresser le bilan économique de ce gouvernement. Merci Nawaz. Avant de démarrer, je suis content quand même qu'on ait quelques secondes pour l'économie. Souvent, vous entendez l'économie, c'est comme si un monsieur avec un rotaire bazar qui l'a tapé l'autre du monde pour venir pour dire l'économie va mal, vous avez la ceinture, etc. L'économie, c'est une science sociale, c'est une science humaine, c'est l'homme. L'économie liée au service de l'homme et pas les contraires qui l'homme au service de l'économie. Donc, pour dresser un bilan qui m'a fier pour dresser aujourd'hui, c'est qui après une période courte, nous allons dire qu'il nous tient une économie déséquilibrée. Qui fait un modèle déséquilibré? C'était une économie qui, malgré qu'il peut créer la croissance économique, il peut faire beaucoup de problèmes concernant l'inflation. Il y a beaucoup d'inflation à l'époque. Et surtout, il ne peut baisser le chômage comme il a baissé. À l'époque, il y a un taux de croissance supérieur à 5%. Parce qu'au niveau global,
nous tenons une croissance supérieure à 5%. Mais malheureusement, la façon qui gère ça l'économie là, fait que tu crées un déséquilibre. Ça va un déséquilibre là, là tu crées l'inflation. Pas oublier, nous tenons l'inflation 9,8% en 2008, 8,8% en 2007, un taux d'inflation vraiment élevé. Quand nous avons un taux d'inflation maximum pour un pays comme Maurice, autour de 4%. Chômage, pas type baisse, pas beaucoup. Nous avons commencé avec un taux de chômage, docteur Sitanen connaît bien, parce qu'il a commencé en 2006 avec un taux de chômage de 9%. En 2014, quand l'ancien régime quitte le pouvoir, taux de chômage 17,8%. Ça veut dire une baisse positive à 1.2 en l'espace de 10 ans. Pour 55 secondes, maintenant, plutôt 13 bilans de l'ancien régime. Mais maintenant, mon bilan, ça bilan maintenant. Bilan maintenant, c'est une croissance inclusive. C'est une croissance qui, quand vous avez un chiffre, vous pouvez trouver d'année en année, le chômage peut baisser. Et surtout, c'est une croissance qui peut l'inflation maîtrisée. L'inflation ne dépasse 3,2%. Et ça, l'année-là, nous vous tourne autour de 1%. Et malgré tout ça, ce gouvernement est capable de venir avec des mesures qui peuvent permettre à la population de vivre bien. Là, je pose le salaire minimum, pension qui est censée pour aller aux 5 000, mais qui réussit à mener jusqu'à 6 002. Nous mettons en place Negative Income Tax. Il crée beaucoup d'infrastructures et beaucoup de développement. Je pense que je peux voyager. Moi, des adversaires qu'on peut faire campagne, moi, pensez que je peux trouver développement partout aussi. Voilà, les trois minutes sont écoulées. Vous avez l'occasion de revenir là. Ramas Sitanen, donc maintenant, moi, donne-nous trois minutes pour faire un état des lieux de la situation économique. Ah, mais il est clair que la situation économique est extrêmement difficile. Vous connaissez, nous avons un peu d'indicateurs qui est important pour la qualité de la vie de nos concitoyens, au niveau de vie de nos citoyens. Croissance baissée. Si vous comparez à la promesse qu'ils ont fait dans le second miracle économique, ou bien vous comparez à précédent gouvernement, ou bien vous comparez à ce qu'ils ont annoncé. Croissance très très bas, pas un récit fait une croissance plus que 3,8%. Là même là, le chiffre peut falsifier, il vaut beaucoup moins que 3,7%. L'emploi. Vous demandez chiffre peut falsifier. Il y a un peu. Nous pourrions venir là. L'emploi. C'est l'emploi, pas peut créer assez d'emplois. Entre 2005 et 2010, il peut créer 10 000 emplois par an. Là, dans 5 ans, il crée à peu près 2500 à 2600 emplois. Chômage des jeunes dépasse 25%. Et dans 165 000 de nos concitoyens qui sont sous-employés. C'est-à-dire, je suis docteur, je vais travailler comme infirmier, je suis comptable, je vais travailler à Accounts Club, je suis underemployed. Déficit budgétaire. Beaucoup plus élevé qu'ils ont montré nous, parce qu'une quantité de financement peut faire en dehors. Le plus grand problème qu'il y en a, c'est dette. Et si on inclut une dette qui peut casser, pour un colorable device, c'est-à-dire métro léger, Safe City, un casque qui doit pour mon bank, un prêt qu'il prend pour CEB, un prêt qu'il prend pour finance, un projet sportif, il dépasse de 70% de notre PIB. Le sac la tête de nos enfants et a 325 000 roupies d'aide. Saving, l'épargne. L'épargne baissait considérablement. Taux d'intérêt de l'épargne baissait considérablement. Investissement qui motivait l'économie, l'investissement baissait. Et plus grave, c'est l'investissement secteur privé. Mon plus grande inquiétude, c'est la dette, l'investissement en panne, l'exportation baissait. 5 l'année, et après, nous déficitons dans nos balances commerciales, nous payons impôts deux fois plus que nous exportons. Nous avons 125 milliards de roupies de déficit au niveau balance commerciale. Au fait, tous les 9 indicateurs économiques dans 10 faits. Tous les 9 indicateurs économiques, qu'il y ait croissance, qu'il y ait création d'emplois, qu'il y ait investissement, FDI. FDI est baissé. Et il s'agit de qualité foreign direct investment. L'existe dans l'immobilier. Pendant l'investissement dans le secteur productif, pendant l'investissement dans le secteur réel, pendant l'investissement dans le secteur manufacturier, pendant l'investissement dans un nouveau secteur pour développer l'économie, comment l'économie digitale, comment on fait dire, comment l'économie circulaire, comment l'économie bleue. Alors, dans tout le secteur, tu as l'air de me là,
jamais dans nos pays, nous ne trouvons une situation contre les trois grands piliers de l'économie malade. D'accord. D'ici, malade, textile, malade, tourisme, PBC, services financiers voilà. En difficulté. Pour les temps écoulés, Ramastanen, Reza Ultime, en guise d'introduction, qui bilan économique fait en fin 2019? Ben, moi, pour répéter tout ce qui Ramastanen, le directeur Stanen, il me dit, moi, je suis dans le Parlement, on a gagné l'occasion de revenir là en détail dans mon discours du budget. On pense que toute la population réalise aujourd'hui que l'alliance des peuples qui gagne sur l'élection la base d'un miracle économique. Et qui présente un tandem, Jagnat, le Chimina Raidou, qui pourrait venir avec un miracle économique, je ne sais pas. Le Chimina Raidou, qui promet un SME Bank que tu mets 10 milliards de roupies, par fin de faire. Quand nous avons des dettes publiques, aujourd'hui, il arrive 320 milliards de roupies. 255 000 roupies par habitant. C'est-à-dire, les enfants-là, quand ils naissent, ils ont une dette de 250 000 roupies, l'eau sur la tête. Le gouvernement, ils promettent qu'ils vont réduire la dette publique à 60%. Dans la loi, ça, obligé, réduire. Ils ont dit presque 65%. Et IMF, sur le rapport, préconisait qu'il arrive 67,5% l'année prochaine. Maintenant, dette, bien bon. Mais on a une dette tout, qui vous fait avec sa casse-là? Et si on prend casse-là, on investit dans un projet qui peut générer l'emploi pour créer un développement économique. Non. Une grosse partie de sa casse qu'il prend là, il a pour répéter ban victime de BAI. Presque 17 milliards de roupies, il a payé ban victime de BAI. Pour que ça se fait. Faut du gouvernement. Le nombre de gaspillages année après année où trouve le rapport de l'audit critique le gouvernement parce qu'il n'est pas capable. Contrôle ses dépenses et puis il n'y a aucune sanction. Donc, Dimna, il continue à gaspiller. Mais le plus important, le docteur Nkoso, chômage. Mais vous réalisez aujourd'hui presque un jeune de moins que 25 ans, l'eau 4 sommaire. Nous, parce qu'il y a un jeune qui, comme on dit, il finit l'école, il finit notre cours l'université ou bien prévoque ou bien n'importe quoi. Puis il est au marché du travail, il n'y a pas gagné travail. Un enfant 20 ans qui vient encore payer même son maman, papa, casse pour y fréquenter. Donc, oui, on peut dire l'emploi une baissée. Mais pas au pan adressou à l'emploi de sa jeune, sa première jeune là. Si le gouvernement n'est pas capable de faire l'emploi, mais au moins à travers une scheme, si besoin investir dans sa jeune là, de nous autres une facilité, de propre business. Mais au lieu de ça, Zodi avoir ou gain loan, Smeda zone démolie, SMI Mauritius. Pas connaît, fraude pas, toutes les semaines, me pose question d'un parlement. Donc le jeune, non seulement il travaille, mais même il a envie de lancer sa propre entreprise, il n'est pas capable de faire lui par l'incompétence de sa gouvernement-là. Et justement, Dr. Padayashi, deux questions qui ont abordé, c'est la question de croissance. Vishnu Lachimina Raidou, en tant que ministre des Finances, il prévoit une croissance de 5%. Le fin atteint, là, en 2019, mon vérifié aujourd'hui, il est 3,8%. Qui explique ça? Avant de répondre à cette question-là, je quand même revenir aux deux points. Le premier point, c'est que mon adversaire, je cause tout sauf l'inflation. Vous pensez parce que je connais l'inflation, il y a une taxe sur les pauvres. Donc, ok, ben, pour vous, ce n'est pas important, mais pour 10 personnes, il y a important l'inflation. Et c'est le deuxième point, l'investissement, je ne connais pas que je peux trouver qu'il est négatif. L'investissement peut augmenter d'année en année. Vous avez check chiffre, je connais. Le docteur Sitanen, l'IPDIA, tout s'y falsifié, mais bon, moi, je fais confiance à l'institution nationale et aussi à l'institution internationale qui peut dire que l'investissement peut augmenter. Ça, l'année, peut dépasser la barre des 100 milliards. PIB peut dépasser 500 milliards. Donc, mon vie connaît là, qui part bon là? Qui s'en fait pas pémorcer? Nous, un seul pays au monde. Sinon le seul, qui ne fait croissance positive en continu depuis plus de 30 ans. Qui fait nous pas arriver de dépasser la barre des 4%? Parce que nous l'économie peut grossir, plus grossit, plus pour un point. Et aussi parce qu'il y a une réforme sans ces grandes réformes qui t'y fait. Hein. Mais pas une réforme qui n'a ajusté un problème. À l'époque, il ne fait réforme, il m'explique simplement, c'est une réforme qui t'y fait, c'est gratter tout ce qui est en bas. Ajoute ban taxe le ban pauvre, c'était la politique taxer ban pauvre pour qu'il donne ban riche qui s'en sert après en retour pour donner ban pauvre. Mais en fin de compte, il n'est pas mort. C'est. Pas besoin moi loin, je te rappelle l'épisode. Non, mais
Sabane réforme là, pas n'importe ce fruit. Parce qu'il donne, par exemple, 10 milliards stimulus package, pas de rapport de ban fruit. Donc, quelque part, aujourd'hui, les temps, ban réforme qui nous peut faire, quand nous peut get tout ban index, qui est ease of doing business, qui est competitiveness index, tout ça ban index, hein, Maurice peut performer. Nous dans 20 premiers concernant ease of doing business, mais il y a un travail peut faire, nous peut run sa croissance plus inclusive. Mauvin le chômage. Moi, c'est étonné pour tant de man. Causé comment chiffre peut falsifier. Moi, mon économiste en premier. Moi, j'ai fait 10 politiques. Donc, me faire confiance, ban chiffre, ban dimoun qui peut travailler dans mon institution nationale, vous autres. Ou pas qu'on ait de venir qui se dimoun bon avenir ou j'ai peut falsifier chiffre. Ou vous avez venir avec preuve, si il y a une preuve ou affiche li. Si FMI, allez, FMI si peut falsifier chiffre. AYLO peut falsifier chiffre. OCDE peut falsifier chiffre, IU peut falsifier chiffre, qui fait, hein? Moi, j'ai envie de connaître là, qui est Maurice, qui était ça. Donc, pas faire démagogie. Causer, dire bonnes affaires, moi d'accord. Mais démagogie, il est bête pour faire là, parce que nous, à trois, moi, pensez, nous trois professionnels, nous connaissons causer, nous connaissons bon chiffre, moi, connaissons chiffre, vous connaissons chiffre, toi aussi, tu connaissons chiffre, ça. Donc, nous connaissons bon chiffre, moi, revient leur croissance. Ouais. Moi, pour dire, il y a 3,8. Donc, là, nous pouvons causer croissance, chômage en même temps. Ce qui me propose, c'est qui. C'est des affaires différentes qui nous capables de débattre. Nous prenons d'abord, il y a des affaires qui vont venir à Mastanen réagir. Docteur Padéati, Péjaou, prouver comment chiffre falsifié. Et deuxième question qui m'a envie de poser, demain travailler sur le pouvoir, est-ce qu'ils ont qu'à faire 5-6% de croissance? Qui garantit ce que bon, est-ce que je réponds à un des points qui me fait par J. Padéati? Les causes de l'inflation, les bons qui vont Mauritien connaît, la majorité de nos produits nous importés. De l'or, c'est 30 roupies en décembre 2014. Ils ont dit de l'or, 37 roupies. Ils dévaluaient par à peu près 25%. Et les gens qui ont mangé, qui ont médicaments, connaissent comment ça affecte les autres. Second, les causes de l'investissement. Nous tous connaissons l'investissement calculé par rapport au PIB. Ils ont dit, ils ont fait un investissement avec 25% PIB. Il existe 17%. Parce qu'à 17% là, si nous tirons un grand projet d'infrastructure, les plus bas, les 25%. Les budgets qui ne réforment pas de Marseille en 2005. Les bons nous y allons. En 2005, croissance, c'est 2,7. Trois années après réforme, croissance, c'est 5,7, 5,8, 5,7. Nous sommes créés 10 000 emplois par an. 50 000 du monde s'arrêtent de payer taxes. Ben du monde pauvre, ben du monde dans la classe moyenne. 45 000 du monde s'arrêtent de payer moins de taxes. Maintenant, quand les gens sont chômage, vous connaissez ce que vous faites? Et ça, nous suivons comme ça, un truc là. Tous les débuts de l'année, je fais ma focus. Je fais ma focus. Et après chaque trimestre, je révise focus là. Down. Je ne fais ça pour croissance. Dans un groupe, je dis où? Qui touriste pendant l'augmentation de 3%. Pour 9 mois jusqu'à septembre, croissance négative. Alors, chaque fois que je vais résister ça, second, je peux tirer ban jimoun dans les buffos. C'est les buffos qui peuvent baisser. Au lieu des buffos augmenter, les buffos baisser. Et quand les buffos baissent, malgré le fait que du monde perd du travail, taux de chômage baisse artificiellement. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, vous n'avez pas de taux de chômage, vous avez qui conseille l'emploi ou créer. L'année dernière, le nombre d'emplois dans Maurice, il baissait par 1700, 1400. Baissé. Mm-hmm. Pas de création d'emploi. Alors, qui est l'emploi? Qui est l'inflation? Qui est la réforme que tu fais avant? Une gain de croissance, oui, mais une gain de investissement. Mais la croissance, et si le poste de travail, c'est pour pouvoir amasser. Et si on a fait une croissance 5, 6, 7%. Nous pouvons redonner confiance à l'économie. Nous pouvons redonner confiance à l'investisseur. Nous pouvons présenter une équipe économique, d'accord, qui, pour capable, donne confiance, pour capable, attire l'investissement et pour capable, booste l'exportation. En fait, c'est un ticket, ça, nos grands problèmes. L'investissement, nous bisons sans façon qui nous attire investissement. Aujourd'hui, tout l'investissement il est dans l'immobilier. Puis il y a un investissement assez dans le secteur manufacturier. Puis il y a un investissement assez dans le secteur productif. Nous pouvons négliger la sécurité alimentaire. Nous pouvons négliger l'agro-industrie. Nous pouvons négliger la domestic-oriented industry. Nous pouvons négliger la PME. Nous avons besoin de soutien financier. Nous avons besoin d'un accès au marché. Nous avons besoin d'un accès aux technologies. Nous nous avons fait dans le passé. D'accord. C'est un taux de croissance qui dépasse. Pour les semaines terminées, Reza Outim. C'est vieux ça. Qui le. Ça l'est passé. Concrètement. Non, c'est pas, le but, ce n'est pas
une croissance. Non, là, attends, non, vous pouvez prendre. Allez. Vous pouvez poser une question au Resao Team, c'est vous qui pouvez répondre. Donc, Resao Team, qui vous proposez concrètement pour booster la croissance économique? Avant de dire qui m'avait proposé, quand même, j'ai fait un constat. 5 budgets, 5 projections de croissance, 5 résultats en bas projection. Nubecos, serial underachievers. Nubecos, l'année venue, l'année allée, Premier ministre et ministre des Finances présentent un budget, côté budget, comme ça, voilà mon target et résultat à la mon target. Docteur Padelati, cause de croissance inclusive. Il peut dire peut-être le taux n'est pas élevé, mais c'est moi dit. Croissance. Vous avez fait une répartition. Une fois que vous avez une croissance, là, vous répartissez. Mais si vous pouvez financer sa répartition-là, pas pour la croissance, pas dette. Il va s'évident rien, parce que ce que vous pouvez faire, là, vous pouvez prendre l'eau, les deux taxes, ou bien 6 enfants, ou bien faire, ou bien parents, ou bien grands-parents contents. Ce n'est pas pour la croissance qu'il peut récigéner beaucoup de casse pour les distribuer, à bien pensionner, à bien tidimoun. Non, c'est l'eau. Vous pouvez prendre emprunt, vous pouvez endetter tout, un endettement. C'est une taxe, ça, pour les rembourser, que ça prend pour ça. 6 enfants. Sa enfant qui n'est pas encore né là, sa garçon qui n'est pas encore un travail là, lui qui n'est pas le bizarre, rembourse toute dépense que sa gouvernement fait parce qu'il n'y a pas généré suffisamment de croissance. Qui fait maintenant? Parce que depuis l'Invini, l'In favorise investissement dans le béton. Smart City. L'In favorise prend un terrain côte la mer, prend un terrain Cannes à côté côte la mer, convertit-le, fait l'In soit un terrain golf, ou bien faire la case qui vend à un étranger. Un étranger, une fois qu'il a cité sur iOS. Ah, c'est faux ce qu'il dit. Un ordinier, une petite madame pour nettoyer, ça aime tout. Puis il a généré, il dit pas réchiner à ban l'argent. Ah, c'est là, moi, j'ai un terrain. Mon case, je fais un choix. Je fais une usine, je travaille dire, je gagne tant de revenus. Ou bien je prends ça même terrain, je vais faire l'usine iOS et je vends avec un étranger et je vais faire par million. Qu'est-ce que je peux faire? Normal, je vois dans le projet immobilier. Donc, qui vous a fait ça? Mais ce qui vous a fait, c'est encourager l'investissement dans le secteur productif. Oui. Aujourd'hui, il y a un secteur. Mais l'Afrique est totalement négligée. Où réalise-t-on? L'Union africaine soutenait Maurice dans ce combat contre Chagos. Le Premier ministre, même pas dans l'Union africaine, pour remercier eux. Sadek, comme ça, envoyé un petit fonctionnaire aller. Aujourd'hui, Maurice, c'est le gateway to Africa. L'Afrique, c'est un gros marché. Dis-moi, il trouve photo cliché, l'Afrique, comme on dit, une misère. L'Afrique, c'est un powerhouse. Moi, j'ai eu l'occasion, 5 ans, d'être le député représentant Maurice sur l'Assemblée panafricaine. Je développe un réseau de contacts avec l'Afrique. L'Afrique est une casse. Même quand aujourd'hui, on peut cause touristes PBC. Mais est-ce qu'on fait une promotion vers un dis-moi, qui est une casse dans l'Afrique? Vous connaissez comme un milliardaire, pas millionnaire, milliardaire ou un africain? Voilà, où les temps ont écoulé. 17h20, nous manquons une première pause pub et nous retrouvons nos invités, le docteur Ramasitanen, le docteur Renkanaden Padayati et Reza Utim. Nous pouvons débattre de la situation économique.
Plus. Télé Plus. Au cœur de la campagne. Nawaz Nourbeux, Jagdish Joypol. On écoute nos grands débats sur l'économie dans quatre campagnes électorales avec nous Rama Sitanen, Renganaden Padayati et Reza Yutim. Docteur Padayati, une question, le chômage, on peut dire qui chômage une baissée, mais est-ce qu'ils peut comptabiliser ça va un jeune qui peut être employé, enfin employé c'est un grand mot, qui peut être embauché sous Youth Employment Program, d'après mes chiffres qui m'ont à peu près 30 000 qui peut être employé d'une durée un an maximum. Est-ce que je peux comptabiliser ça même jeune là-dedans? Un monde dit moi ce matin qui vous travaille énormément par semaine ou pas compter comme un sommaire. Est-ce qu'il livrait ça? Oui, et pour ajouter à ça, un employment use qui concerne 16 à 24 ans ou 18 à 25 ans? Écoutez, franchement, là, il y a une définition au niveau international concernant le chômage. Il est défini par, vous connaissez BIT, Bureau international du travail. C'est pour ça qu'il y a un chiffre comme ça. Donc, quand on peut cause Youth Employment Program, c'est un programme de formation qui permet à sa dimoune là de gagner un salaire. Quand on peut travailler, c'est gagner un salaire. Donc, je peux travailler. Mais pas qu'à dire qui. Comment je peux appeler ça? C'est quoi? C'est pas un emploi durable, n'est-ce pas? Ben, il paraît comme un CDD. Il paraît comme un CDD, il y a un contrat. Après ce contrat-là, si vous allez vérifier, vous trouvez que tout ce bon jeune-là peut gagner un emploi derrière. Donc là, c'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a une définition au niveau international. J'espère qu'il y a un camarade en face, tous les deux ensemble dans l'opposition, qui n'a pas pour venir pour ça, en tout cas, tes définitions, parce qu'il y a une 7 de définition qui est établie au niveau mondial par une institution internationale. Je reviens au chômage. Hein. En 2006, je vais vous montrer un peu mon chiffre. Là. En 2006, il y a 48 100 chômeurs. En 2014, 44 800. Pas combien de baissés? 3 310 moun en 9 ans. 9 ans. Peut causer beaucoup. 9 ans, une baisse pour 3 310 moun. En 2015, combien de chômeurs tiennent 46 300. En 2019, deuxième trimestre, là je ne vais pas vous dire une fossée, encore moins espéré, il dit 39 100. Pour la première fois depuis de longues années, il baisse en bas les 40 000. Donc combien baisse il fait hein? 7 200. Donc, je ne comprends pas là. Tu peux cause création d'emploi. Si tu peux création d'emploi, comment une carabe baisse-t-elle par 7200? Explique-moi, bien sûr. Non, mais non, pas besoin d'expliquer-moi. On va expliquer à nos auditeurs parce que ça va un calcul que vous faites un peu. Vous pensez que c'est Raman Economics, mais ce n'est pas de l'économie. Oui, mais vous pourrez répondre là, bien sûr, à Mastanen. Mais tout bifère, sous différents gouvernements, le taux de chômage parmi les jeunes est-il à 20%? Et dans l'année? Après réforme, sur Algeté, il y a moins que 20%. Ouais. Est-ce que vous répondez à Renganaden? Je sens ces définitions sommaires. Les bons qui me disent qui définition les bœufs fausses insensées. Je tire Banjimoun dans les bœufs fausses parce que définition un sommaire où vous n'avez pas de travail, où vous avez la recherche d'un emploi et où vous êtes disposé pour un emploi. Si vous ne réunissez pas ces trois-là, pas mettez comme sommaire. Oh, tout le monde, moi, parce que c'est quand vous faites l'étude de la circonscription, d'accord, vous trouvez beaucoup de monde sommaire, mais c'est un papier contre les autres comme sommaire. Parce qu'il, à cause de définition, qu'appelle un sommaire. Second, tout le monde qui travaille, yep, temporaire, peut inclure les autres dans le monde qui travaille. Et comme on dit, elle est là, Nawaz, même un monde qui travaille et temps, peut inclure lui comme travail. Alors, c'est pour ça qu'artificiellement, si le chômage peut baisser, à cause de ça, dans les autres pays maintenant, même ça fait pas arriver, avec le vieillissement de la population, je vais avoir un nombre d'emplois qui peut créer. Tu peux créer 10 000 emplois par an. Là, là, il y a un nombre d'emplois négatif. Et ça, chiffre qui peut donner pour le second trimestre, c'est une estimation, ça. La fin d'année, vous trouvez qu'il est insensé. Si vous avez l'année dernière, je suis au l'année dernière pour créer 3 000 emplois. Un an après, quand le chiffre sorti, le nombre d'emplois est baissé pour 1400. Et l'autre affaire qui est importante, c'est dire qu'on a une quantité de monde qui est unemployed, underemployed, parce qu'il y a un skill mismatch. D'accord? Et second, j'ai envie de travailler plus, j'ai pas qu'à travailler.
et il y a à peu près 25% de la population active qui trouve dans cette situation-là. À cause de ça qu'il nous dit, il faut bien redonner l'intégrité à l'institution, redonner l'indépendance à l'institution pour nous connaître véritablement qui va nous chiffrer. Oui, pour ça, Manzen qui peut écouter nous, là, il y a une garantie, il y a l'espoir qui vraiment, ça 18 à 25 ans, là, je peux trouver un travail dans les 5 années à venir. Ça veut dire une création d'emplois pour venir. Oui, dans qui va nous secter surtout. Je peux écouter le directeur qui a causé, mais je pense qu'il y a vraiment une lire pour un gouvernement arrête. Assis dans ce bureau et à l'Ugedbansif, comme il y a l'emploi. Et ça, nous, terrain, parce que moi, dans mon circonscription, ça que la case qui me tapait, encore une assommée, encore une madame, depuis 5 bananes, je dis enfants, semer, encore semer. Vous ne connaissez pas une création d'emploi. Là, côté Pessotti, qui s'en a qui peut gagner. Peut-être, si vous prêchez avec une famille ministre ou autre, peut-être, oui, pour certaines catégories de monde, peut gagner l'emploi. Mais pour cette monde-là, non. Pénal l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle qui le MMM, nous venons avec ça, l'idée d'une compensation, une allocation chômage temporaire, minime, 5000 roubles, token, juste pour aller je forward. Parce que nous comme beaucoup de. Allocation chômage, 5000 roubles, il y a plus de 3 fois plus. Absolument. C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'encourager les enfants là, pas de travail, nous. Nous, nous prenons en considération, il y a beaucoup de familles qui viennent avec nous, ils disent nous comme ça, c'est un travail pour envoyer leurs enfants étudier, ils ont dit d'être en retraite, les enfants n'ont pas fait de travail et ils n'ont pas été capables de subvenir aux besoins des enfants. Nous, nous avons beaucoup de jeunes qui nous disent à moi comme ça, tenez comment je vais honte, mon retour de Maurice, mon enfant de haut, mon retour de Maurice, mon besoin tous les semaines, à demain même papa, un petit casse pour le fréquenter. Donc, c'est pour ça qu'il a été dit là, qui n'a pas pu gagner un travail, pas parce que je n'ai pas envie de travail, j'ai envie de travail, mais pas pour donner de travail. Et aussi, quand on a 500 places disponibles dans fonctionnaire, on peut gagner, si pas là, 2000, 3000, 5000, 10 000, puis appeler. Mais ça, c'est un signe qui, même ça, dit qu'il n'est pas tombé dans cette statistique-là, il est underemployed. D'accord. Est-ce qu'il lui a même chiffré le montant qui est pour bizarre? Un point d'allocation chômage. Oui, très simple. Nous prenons statistiques officielles là. Il y a 18 000 sommaires en bas 25 ans. 18 000 sommaires, 5 000 roupies par mois, 90 millions roupies. 90 millions roupies, si vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire, c'est la moitié qu'il faut, un tiers sérénité. Donc, c'est pas une grosse casse. drôle de calcul. Nous vignons la dette publique, un autre gros morceau. Nous avons beaucoup de questions dans le Parlement concernant la dette. Chiffre qui moi n'a pas connu si c'était le même chiffre, dette publique au 30 juin, 320 milliards de roupies, 64,6% du PIB. Pourquoi à la fin octobre pour un nouveau chiffre qui pourrait être publié? Le même chiffre. Mais, Dr. Padéati, ça pas inclure ben, ça qu'on appelle SPV, Special Purpose Vehicles, ben ligne de crédit, ben prêt qui est contracté, pas un organisme parapublic, l'IPA, si. Collégier, CFCT, etc., pas là-dedans. Donc, si nous ajoutons ça, dette publique, beaucoup plus conséquent, paraît-il. Je reviens aux dettes. Encore une fois, je vous dis une affaire simple. FMI, institution internationale, Vin Maurice, vérifier tout chiffre, elle dans tout ministère, elle cause avec, je connais, elle cause avec mon collègue en face, hein? Elle demande tout ban l'opinion. Et pourtant, FMI a publié ça. Donc, c'est là, je me suis rendu compte, qui je peux redire? Est-ce qu'il tout chiffre mon revenu? Est-ce qu'il tout chiffre? Je peux mettre en doute tout bon fonctionnaire qui travaille dans Maurice pour dire qu'il tout chiffre faussé? Là, il est grave. Parce qu'il 64,6, 64,6%, il est dans la norme maintenant. Nous, parmi un pays. Dans la norme, nous pas. Mais, à l'aide d'un pays, vous avez vérifié, vous connaissez une période d'avant-crise. Ça qui m'a compris, c'est quand on dépasse 60%, on rentre dans une zone rouge. Et Ramassi Talen peut mentionner 70% du PIB. Mais, moi, je peux dire 64,6. 70%, on ne connaît pas quand l'INA a gagné. Ouais. C'est ce bon calcul. Donc, je reviens là. Ou 64%, c'est la norme internationale. Je disais, suivre l'évolution économique. L'évolution économique, après la crise 2009, il ne changeait, c'est-à-dire. La crise, il fait qui, et dans beaucoup de pays, ne prend plus de dette pour soutenir l'activité. Ou une dette est dette. Tout le monde fait dette. Ou fait une dette pour concerner la case. Une dette, si vous faites une dette qui est productive, métro express, peut construire un pont, peut faire logement social,
préfère chemin partout, préfère l'hôpital. Ça, il y a une dette constructive pour le pays, pour le futur, qui pourra apporter croissance. Mais quand on fait une dette, moi j'ai dit bien là, quand on fait une dette pour prendre ça ou donner ça à un camarade en haut, avec additional stimulus package, les là n'est pas productif. Parce qu'il nous est non, ben chiffre, nous est non, ben données, quand je ne gagne ça, nous n'assène le tout. Mais ça, si Dr. Sitanen pensait que ça, c'est une bonne dette, ben moi, je dis non, donc, la vraie 320 dette. 320 millions, il parle alors, pour. Ben quand on prend 320 millions, quand nous payons BPV 500 millions, on n'est pas qu'à comparer 170 milliards, l'autre 300 milliards, et 3, il paraît que moi, 320 milliards, c'est même qu'ils ont donné un taux. Hmm. Le taux qui nous a guetté, pas get chiffre. Si nous avons get chiffre, ben nous avons retourné en arrière quand nous payons des 200 milliards. Et nous avons une capacité de remboursement. Mais ben là, la guerre pour de nous, nous avons une notation pour améliorer avec une agence de notation. Ça, c'est faux. Je paye la guerre pour de nous dette. Comment je paye la guerre? Je paye baisse le taux d'intérêt. AFD paye de nous dette le moins qu'il y a 1%. Donc, c'est même qui m'aurait venu là. Si on est un mauvais payeur, les gens vont avoir de nous. Peut-être que vous ne pouvez pas nous qualifier comme la Grèce argentine, c'est de la démagogie. Pire que de la démagogie. Parce que ici, nous pas la Grèce. La Grèce est protégée par l'Union européenne. Les LM, tiennent ban FMI, c'était la période d'avant-crise, quand je fais ban calcul, je rate ban calcul. Ici, tous les années, nous avons un article faux, Michel Kevin Maurice, qui vérifiait tout. Un derrière l'autre. Je check tout. Et je dis où qui problème est non. D'accord. Et Dr. Sitanen connaît les ministres des Finances. La question de la dette publique, Rama Sitanen. J'ai envie, j'ai des droits à quelque chose. IMF, dans tout son rapport, il dit qu'il consolide la dette publique. Qui appelle consolider tout sa main de transaction qui passe en dehors au budget là, il a compté pour la bonne et simple raison que le gouvernement donne garantie. Nous prenons dette métro léger. Nous prenons dette Safe City. Nous prenons ça trou. Et un mauvais trou. Moi, je ne connais pas Ringananen India, rapport qui nous sortit le mot bank. Qui grand trou qu'il y a là-bas. Si vous prenez ça, complexe sportif qui nous a. Si vous prenez CEB, vous avez tout ça là. Il y a 60 milliards de roupies dette en plus. Qui arrive 70 à 75% de dette publique, qui est insoutenable. Donc 320 pour 60 milliards d'euros. Tout simplement un SPV là. Tout économiste connaît comment on prend une dette ou bien comptabilise-le dans la dette publique. Je sais ce que je peux faire, c'est quand je paye, ce qui reste, je ne vais pas compter dans la dette. Maintenant, pour une stimulus package. Stimulus package, il sauve l'économie. Nous créons des jobs. Tout casse qui tu donnais dans le stimulus package, il remboursé. Jamais un gouvernement, jamais un gouvernement. Ou pas tu dis, ou pour baisser taxes pour les gens riches. Et qui pour mettre des taxes aux gens pauvres. Ou peut dire des affaires, mais ou vraiment, ou raconte des histoires. D'accord. Donc, si vous pouvez dire, c'est faux. Non, d'abord, la question de la dette publique. Avant de répondre à la dette, je suis bien content de ça, là, parce que c'est vrai même, les banques que la population connaît. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est vrai que, Dr. Padalacci a raison. Stimulus package, moi, je me pose la question d'emploiement. Pas de rembourser. Mais vous avez demandé aussi à MSM, mais quand on parle de rembourser, qu'on fait avec eux? Faut des résultats, ils me posent question d'apparemment, les LA après 5 ans, vous dire que ça, oui, à ce nous parle d'initier cette action, si Dimounaï prend casse, l'épée, nous casse, et il a dépensé, il a diverti, mais il est retrouvé en prison.
sorry. Et si y a un gouvernement tolère sa bandit là, le gouvernement aussi serait retourné en prison. À cause de ça, qui nous pévine avec une la loi pour donner pouvoir à directeur le dit. Prendre une sanction, y compris une sanction pénale contre bandit qui nous dilapide tout le fonds public. Ouais. Maintenant, nous causons au tac. C'est vrai que quand le gouvernement travaille ici au pouvoir, parce qu'il y a une National Residential Property Tax, hein? C'est vrai. Nous ne pouvons pas casser de lui, c'est un fait vérifiable. Mais aujourd'hui, vraiment aussi, il a raison. C'est le niveau de dette qui nous a là. Mais pas capable de casser. Là, on a des documents devant moi. Là. On a chiffre de ministère. Dette 64,6%. IMF, dette pour 67,5%. Mais... Qui vous fait confiance? Maurice, IMF. Which is which, Dr. Mais vous vous dire où, à la fin de compte, c'est pas une affaire chiffre qui est important. C'est qui vous fait avec sa cassa. Est-ce qu'on prend sa cassa, on a le mettre dans un fonds centre ou dans mon bac? Est-ce qu'on prend sa cassa, on a le mettre dans code d'eau qui se coûte des milliards, il finit par coûter 4,5 milliards? Ça qui dit vous nous connaît. Ouais. Vous pas capable de prendre des dettes en dessous de nous. Ça volait de la dette. L'autre question qui me fait beaucoup polémique. Quelques semaines de cela, c'est l'utilisation de la réserve de la banque centrale de la banque de Maurice pour éponger une partie de la dette. D'abord, une petite précision, on le dit dans la presse, Dr. Padeati, qui l'équipe légale, une conseillère de la banque de Maurice, peut-être parle de l'avant avec ça, et c'est livré ça. Est-ce qu'il parle de l'avant avec puise, ça? Nous ne puisons une certaine somme ou bien jamais une petite réserve. Mauvine nos réserves parce qu'il tellement, encore une fois, beaucoup de démagogie. Vous connaissez réserve, mot officiel, réserve officielle, tu 8 mois, quand l'équipe, ça l'équipe avant là, tu prends 8 mois impôt. Quand je suis allé en 2014, c'est dans 6 mois impôt. Moi, j'ai démissionné depuis la Banque de Maurice, en tant que first deputy governor, nous n'avons plus qu'un an impôt en réserve. Moi, tout, encore une fois, pour dire un peu vos chiffres, mais là, pareil, IMF pour confirmer. Donc, je ne comprends pas que tu peux gagner cette histoire-là. Je vais dire, il y a un groupe de gens qui passent les temps crier, qui tout noir, tout peut mal, ça peut couler. Mais malheureusement pour eux, quand on peut gagner un chiffre, les gens peuvent continuer à consommer. Du monde peut investir, du monde peut créer business, l'emploi peut créer, chômage peut baisser, inflation peut baisser. Donc, est-ce que tu parles de l'argent que ça mesure pour puiser dans les réserves? Ben, c'est, je te connais, moi je explique une affaire très simple. La Banque de Maurice est une IFRS 9, définition IFRS 9, qui est la banque qui a sa propre définition pour lui faire son compte. Et non, ben, Dimoun, mon ancien gouverneur, les temps qui prépare Bill, j'ai décidé qui un parti, je dis bien, un parti, ben, profit, al dans Special Reserve Fund. Nous, gouverneurs, parce qu'il sait, je bien connais que, et non, ben, discussion préliminaire, je pense, en tant qu'un ancien ministre des Finances, M. Sitanen connaît, et dans une discussion préliminaire entre un gouverneur qui est principal représentant la banque et ce ban adjoint avec l'équipe aux finances pour connaître qui ban changement pour apporter dans la loi bancaire. Ben, gouverneur vini n'explique sa histoire là, qui t'y passait dans le passé, que beaucoup ban profit inal dans SRF. Donc, c'est simplement un retour vers l'État. Parce que ça casse là pas pour la banque ça. Ça casse là pour l'État, pour le peuple. Et besoin retourner au peuple. C'est ça qui nous décide. Rien d'autre, je peux dire, je ne connais pas ce que vous entendez. Sa histoire, chose légale, tout à fait une faire dans la légalité. Et la loi qui nous sortit, je pense que la loi nous sortit, qui vous dire ça, c'est une faussée. Parfois, je ne peux pas comprendre. De l'avant. Pial de l'avant, bien sûr qu'il parle de l'avant. C'est une bonne meilleure façon, je dis une simple affaire. Si moi écoute Zot, ça veut dire qu'en pour récapitaliser la banque, ben au type jamais casse. Et pourtant, Xavier Duval qui permet, qui prend casse dans SRF pour récapitaliser la banque. Donc les là, tu es capable. Ouais, SRF c'est Special Reserve Fund. Ouais. Et sa perception ouais. Qui affaiblit la roupie et mauricienne quand la roupie mauricienne là parce que beaucoup de démagogie. Al get chief, livre sterling tu peux te mettre 60 roupies. À l'époque c'est tellement dévalué qu'il nous l'inflation une 10% vous autres. 10%.
nous avons tapé les doigts à l'IMF. Et c'est un peu venu dire nous, oui, nous dévaluons, nous inflation 1.1. Ça qui nous a guetté, qui nous va guetter. Je ne connais pas qui pourra guetter. Je ne sais pas quoi dans le chiffre, etc. Mais pour venir, je pense que pour venir prochain ministre de l'économie, si vous ne savez pas quoi dans le chiffre qui peut publier par ou par propre institution, mais comment vous pouvez faire une politique? Donc, je reviens là, un chiffre qui peut publier, je reviens là, SRF, je reviens là, tout ce qui peut dire, c'est des chiffres qui sont publiés dans toute légalité. D'accord. Ramassitanen, la question de. Puis dans les réserves de la Banque centrale, bon, bien sûr, ça plateau là, mais on fait longuement au point là, ou capable peut-être revenir là si vous souhaitez. Mais moi, j'ai une question beaucoup plus importante concernant la, ça qui beaucoup de monde peut penser, une dépréciation voulue de la roupie. Donc, à qui point livrer et qui sont les conséquences capables. Et surtout, oui. Mentionne le dollar à 37 roupies, là, c'est allé là, les 36 roupies 72. Bon, les clair qui est une politique délibérée de la Banque centrale. Pour déprécier roupie. Maintenant, ça fait qu'ils ont fait réserve là. Ah oui, c'est pas dire, c'est pas dire, non, nous tout connaissons qu'ils peuvent faire. On va checker avec trésorerie tout bas de la banque commerciale. Je peux acheter de l'or et je peux mettre roupie le marché. Et quand je fais ça, je artificiellement augmente réserve en dollars, mais seulement je inonde le marché avec excès liquidité. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup excès liquidité. Et à cause de ça qu'il y a beaucoup excès liquidité là, ben épargnant, je taux d'intérêt qu'ils ont gagné très bas. C'est une politique délibérée de la Banque centrale. Ça transfert là, et ça. Moi, je ne connais pas où il y a un agent politique là-bas. Mais il est clair qui, c'est là. Non, c'est moi, je suis causé. Je suis causé. Pas qu'à traitement d'agent politique. Moi, je suis causé. Je suis le first deputy governor. Je suis causé. Ça. C'est illégal. La loi dit dans quelles circonstances capable de servir sa casta. Et d'ailleurs, il est clair, il y a un avis légal, papier de l'avant avec sa transfert là. Confirmé, papier de l'avant parce qu'il est illégal. Et où payez-vous papier de l'avant? Laisse-moi finir. D'accord? Et pas capable de faire ça. Et ça aussi dit bon, pour soi-disant masquer la dette publique qui peut rembourser. Et trois affaires, je ne fais. Je prends une casse de toute bonne institution qui n'a pas de surplus. Je mets ça dans Consolidated Adjustment. Je dis comme ça qu'ils vous vendent 111 milliards de bijoux de l'État. Et après, je vous fais ce transfert illégal des 18 milliards là. Alors, la dette, d'accord, encore une fois, ça signifie qu'il peut dire là. Le transfert là, c'est ça pour affecter artificiellement la dette et donner l'impression que vous payez. On ne fait pas pour qu'on va faire. En fait, nouveau gouvernement, vous vous assurez de ça via là. Pour capable de guetter comment il y a pour rembourser sa bande dette qu'ils ont commettre là, parce que la Banque de Maurice, pas pour qu'elle transfère lui, pour une raison bien simple. Pas exister sa casse là. C'est une casse artificielle. À chaque fois qu'ils ont déprécié roupie, valeur dollar là augmenté, et cette crédit de différence là, comme un surplus. Alors, résolutif, la question de prise dans les réserves de la Banque de Maurice, c'est la question de dépréciation de la roupie. Laisse-nous comprendre une affaire bien claire et bien simple. Le gouvernement. Et une obligation réduire la dette publique à 60%. C'est une obligation légale. Quand MSM il rentre dans le gouvernement, il trouve il n'est pas pour capable de faire, il passe la loi, il dit ok, nous pourrons renvoyer cette date là à 2021. Ce n'est qu'à 2021 qu'il me réduire ma dette à 60%. Aujourd'hui, d'après MMF, dette là il arrive 67,5%. D'après un chiffre local, il est 65%, mais à MSM. Donc la question se pose, comment on est capable dans un an, maintenant que le marché de la chimie radio n'est plus en haut, comment pour réduire ça depuis 67% fait 60%? Je me pose la question dans le Parlement. Pravin Zak, ça, moi, avant l'expiration 2021, je me prends bousser. Comment? Je vais vendre mon asset, je vais vendre mon bisou, mon trésor qui n'est là, je vais vendre ça et je vais puis dans réserve. Ben, asset non stratégique, non? Il dit non stratégique, mais pas pour connu qui était non stratégique. Hein. Est-ce qu'il m'a rejeté comme stratégique, pas non stratégique? Politiquement, il est stratégique. Peut-être tout carrément, là. Donc là, il vit nos réserves. Nos réserves. Tout le monde ne comprend pas qui était sa réserve. Il y a une affaire très simple. Aujourd'hui, à supposer, la Banque centrale, il y en a 1 milliard de l'or. C'est-à-dire, l'eau sous compte, il paraît 35, disons, 6 roupies, 35 roupies, il y en a 35 milliards de roupies. Demain, il y a une dépréciation roupie. Au lieu d'un de l'or 35 roupies, il y a 37 roupies. Donc, dans réserve, au lieu d'avoir 35 milliards, il y a 37 milliards. En vérité, non, il n'y a pas de sens, il y a. Ou encore, il y a un dépôt de 1 milliard de l'or même, mais il y a 2 milliards roupies en plus. Ça, 2 milliards roupies en plus, ça, il transfère dans un special fund.
Mais parce que c'était un exercice comptable, ça n'est pas vraiment une plus case. Donc, la loi prévoit, ben, comme je sais, prévoit qu'il est capable de servir ça des millions là. Et la loi pas prévoit qu'il est capable de servir ça pour en bourse ou dette. Et ce gouvernement-là, il réduit, il amende la loi. Et c'est que moi, je trouve ça quand même choquant. C'est que nous supposons une banque de Maurice indépendante. Et aujourd'hui, le gouverneur, le premier gouverneur de la Banque centrale, candidat MSM. Aujourd'hui, le chairman de la Financial Services Commission, qui, tout ça scandale, Sobrino, tout ça scandale, là, aujourd'hui, il est candidat MSM. Donc, comment on l'est, qui la population, comment on l'est, qui banne internationaux, banne investisseurs internationaux, banne dotations internationaux, et la confiance dans l'indépendance de la FSI, l'indépendance de la Banque de Maurice. Docteur Pazarchi, c'est une attaque directe ou indépendance ou intégrité comme un professionnel à la Banque de Maurice et à la FSI qui... Vous connaissez, l'indépendance, c'est un état d'esprit. L'indépendance, c'est l'indépendance économique. L'indépendance, c'est l'indépendance de croyance. Je me trouve incroyable comment je t'attaque du monde comme ça, je décide qui c'est indépendant ou pas indépendant. Et vous laissez-moi terminer là, parce que c'est une attaque très grave. Je ne peux pas comprendre, hein. Mais moi, des affaires. Monsieur Citanen, ce camarade, Randy Singh Binik, qui vient gouverner à la Banque de Maurice, mais tu es un ancien ministre des Finances, il a pas de problème. Pas de résoudre, il n'a pas de trouver ça. Pardonnez-moi, tellement je suis ensemble. Il n'a pas de trouver. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Deuxième, Bassentreuil. Mais il s'occupe de peu avant. L'ici dans commission économique MMM, je ne te connais pas, à la main, l'ici dans commission économique MMM, et non photo, et non photo. Oui, mais tu dis MMM. Et non photo, et non photo. Mais là, pas de là, élection, une différence. Non, mais pareil, l'ici d'un parti politique, ça veut dire un agent politique, lié indépendant, mais quelqu'un qui, à un certain moment, décide pour lui démissionner, pour lui faire la politique parce qu'il a envie faire de la politique pour ce pays, l'île n'est pas indépendant. Je te mets en doute un kiken, comme ça. Moi, je pensais peut-être que je te mets en doute, moi, parce que moi, mon papa est Binik, ni Bassentreuil. Je te mets comme ça. C'est tout. Parce que c'est eux de bonnes camarades. Quand les camarades, il n'y a pas de problème. Là, il est indépendant. Mais quand les camarades, c'est une parenthèse. Tu parles pas indépendant. Est-ce que quand tu tiens FSI et qui tiens le dossier Sobrino, et si tu choisis comme un économiste indépendant ou bien comme un représentant de la cuisine, c'est ça qui m'a envie de connaître. Quand même. Mon vie connaît, parce que Sobrino, c'est les yeux dans les yeux, ou bien c'est Lingetti aussi. Ivan Hussing et tous les yeux dans les yeux, il y a comme ça. Sobrino, correct. Est-ce que Sobrino, tu gagnes protection? C'est ça, sorry. Mais à Gued Bandat, papa. Quand on rentre chez MNFSI, on rentre février. Oui, mais Sobrino, toujours, il y a une management company. Jusqu'à aujourd'hui, Sobrino, toujours, il y a ou bien il y a une management company. Il y a encore une management company. Il parle légal. Docteur Padayati, nous là pour cause de l'économie. Donc, allons. Secteur financier clé. Oui, ben nous nous ça après. D'accord, bon, c'est là. Ça dégage Sobrino une fière pour le secteur offshore. Non, attends, Docteur Padayati, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un bijou de l'État qui nous peut vendre? Vous connaissez? En général, l'État, il y a une mission. Une mission pour servir ce pays, ban peuple. Et non, ban service, ban compagnie qui n'est pas nécessaire à un État. Donc, si c'est surtout ban service qui peut perdre l'argent, ben, nous sommes capables d'essayer de trouver un partenaire, essayer d'amener un fonds, etc. dans cette institution-là. Mais pas une tonne. Peut vendre une institution vitale au pays. Mais vous paraît mettre en danger l'emploi de sa main employée là, si vous pouvez privatiser une institution. Mais je me pose une question. Comme un casino quand, de Maurice, quand, par exemple. Quand Mauritius Télécom, tu laisses Orange rentrer, est-ce que tu n'es pas perte d'emploi? Moi, pas quoi? Nous besoin de vérifier. Mais moi aussi, il n'y a pas de sénat. Il y a un flou, Dr. Padayati, oui. Parce que le ministre des Finances, dans son budget, il n'est pas dire, il n'est pas précisé qui s'amène à cette qui peut disposer. Mais ça, vous connaissez. Moi, désolé, mais ça, vous pouvez demander. Et non, ben, il peut travailler là. Moi, pensez, il y a l'équipe aux finances qui peut travailler là, qui finit travailler là, qui peut venir en temps et lieu. Moi, pas dans les secrets des dieux, comme on Reza fait dire, si pas la cuisine, pas la cuisine, tout cela. C'est ben causé qui est étonnant de la part de quelqu'un
qui peut envie vienne un représentant au gouvernement pour une traite qui gagne sans aucune preuve. M'aurait dit sans aucune preuve, ou venir ou dire qu'il n'est pas indépendant, mon membre dans la cuisine, qui était dans la cuisine là. Oublions la cuisine pendant quelques instants, nous causons ben assets qui peut, ou on veut dire quelque chose aux armes cette année. Non, tout ça l'exercice qu'il fait là, c'est pour masquer la dette et pour masquer le déficit budgétaire. Beaucoup d'économistes neutres, ils me disent qu'ils ont consolidé tout ça là. Alors pour oui. évacuer ça, ils ont transféré Bancas depuis CIB, depuis Mauritius Port Authority, d'accord. Là, là, ils peuvent faire sa transaction illégale depuis la banque centrale là. Et après, ils peuvent aussi vendre les mesures de l'État sans qu'ils disent. On est sous-causé, là, sous-causé. D'accord. Alors, à cause ça qui nous veut dire comme ça, c'est une opération pour masquer la réalité. Et à cause ça, dépasse 60% la dette, est insoutenable. Et si on ajoute tout ça qui vient autour, il devient beaucoup plus élevé. Et souvent, on prend ça pour financer le budget court. Oui, rapidement, vous avez dit. Nous, ceux qui nous connaissent, il y a au moins des institutions qui s'allient. Les publics, hein, parce qu'il y a Ivan Colenda, il y a Mindia. Il y a envie de privatiser CWA et CEB. Donc, c'est des bijoux qui nous sont là, qui demain, un gouvernement, on retrouve Ivan Colenda d'un gouvernement. C'est ça, des premières priorités, van CEB, van CWA. Tu vois ça? Docteur Badati, moi pas dans le gouvernement, moi désolé, moi pas connu qui ça lit dans le parlement. Donc moi revine là en affaire, sorry moi bien revine là parce que pécose d'être en bas 60%. Moi penser en tant qu'économiste, monsieur Citanen connaît qu'il y a une différence en dette quand dette li externe et dette interne. Première affaire et deuxième affaire que moi tu dis banal quand vous regardez les chiffres. Mais 2006 li 56%. 2014, il dit 61,5. Donc, il est au-dessus, là, non, de 60%. 56, là, c'est là, non. 56, 56, ouais. Non, 2006. 61. Mais, il rentre, où tu rentres à 2006. 2006, premier budget. Au budget, c'est 6 juin 2006 pour 2007. Pas sans les choses. Au premier budget, nous faisons les 6 juin. Donc, le temps où tu là, la dette, quand on prend 56%, l'invine 61,5. Par Xavier Duval, qui est ministre des Finances de Navin Ramgoulam, qui peut soutenir ou ce candidat pour ministre d'accord, de l'économie. Donc, nous pas pour trop. Donc, nous pas pour terminer. Donc, pas pour, attends, non, nous pas pour attendre nous davantage. Là, nous avons une analyse sectorielle qui nous fait. Nous marquons une pause pub et nous pour retrouver Michael et François dans un petit moment pour la synthèse d'informations. Et puis, nous pour faire analyse secteur par secteur avant qu'il nous passe à une proposition. Donc, je peux écouter le grand débat sur l'économie avec nous, le docteur Renganaden Padati, le docteur Ramasitanen et Reza Yutim du MMM. La pub. Je rêvais hier, je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyage, hôtel, spa, parc de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île.
grâce à Défidil, nous passons un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer. Tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Un grand respect pour le journal Dimanche Lebdio. C'est une bonne rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer. Hein. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'ont besoin. Je m'appelle tout mon camarade, hein. Toute la famille, mon fils, ils sont achetés parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas pouvoir rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche Lebdo, le must du dimanche. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales.
Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Pat, c'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyage, hôtel, spa, parc de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, même passer un bon moment en famille, c'est top. Merci Défi Deal. Que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Respect pour le journal Dimanche L'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de L'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donne des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Hein. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, je vais avoir toutes les informations qui m'ont besoin. Je m'appelle tout le monde, camarade. Hein. Toute la famille, mon fils, c'est assez parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche L'Hebdo, le must du dimanche.
sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Nawaz Nourbeux, Jack Disjoypole. Deuxième partie de ce grand débat, l'économie. Nous avons une première partie plus ou moins animée. Et avec nous, Dr. Rama Sitanen, Dr. Renganaden Padalati et Reza Utim. À mes côtés, bien sûr, Jagdish Joypole. Et là, messieurs, nous pouvons faire un tour d'horizon de quelques secteurs importants. Un secteur qui soit pays soufflé, soit en difficulté. Nous, pour le secteur manufacturier, Rama Sitanen, après un chiffre qui m'a trouvé une baisse dans mes exportations. Sorti 39 milliards en 2014 et 35 milliards en 2018. C'est un secteur qui est tout un petit peu au ralenti. Qui analyse ou fait de ce secteur-là et qui bien fait, d'après vous, pour booster le secteur manufacturier? Donnez-nous deux minutes. Bon, d'abord, depuis cinq ans, zone France manufacturière, textile, l'habillement en déclin. Que ce soit en termes valeur exportation, l'usine peut fermer, en termes emploi et en termes contribution. Encore une fois, tel est là Nundjali, c'est n'a trop beaucoup l'emphase pour mettre l'eau, IRS, le Smart City, nous avons assez d'investissements qui nous peut faire dans une France manufacturière. Et le gouvernement disait qu'il veut faire manufacturing, mais à peu près 25% de nos PIB. Au fait, aujourd'hui, à peu près 12%. Alors, ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de réingénier le secteur manufacturier. Et là-dedans, il y a quatre sous-secteurs. Premier secteur, c'est textile, l'habillement, etc. Second, nous avons un secteur comme la bijouterie, comme la medical devices et comme les autres. Troisième, nous avons PME, qui est extrêmement important. Et après, nous avons domestic oriented industry. Chacun nous puissions amener un remède pour capable de résoudre ce problème-là. Est-ce que vous avez quelques propositions concrètes en tête? Propositions concrètes. L'économie traditionnelle, c'est-à-dire zone France manufacturière, il est clair qu'il nous faut mettre beaucoup d'efforts pour être capable de moderniser notre appareil productif, pour être capable d'investir dans la technologie, pour être capable d'investir dans l'innovation. Ça, est extrêmement important. Second, nous devons aussi mettre beaucoup l'emphase dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie numérique, l'économie digitale, quoi pour servir la population, pour servir le business, mais pour aussi développer une application, une jeune qui rentre là-dedans, dans l'économie numérique, et une quantité de possibilités. Un nouvel emploi, un emploi qui vous change votre envergure, ou bien un emploi qui nous outsource. Si nous investissons dans cette infrastructure-là, et si nous mettons beaucoup de support pour revivre l'industrie, on pense que la zone France manufacturière, carrément. Une autre affaire qui me dit qui est extrêmement important, à mon humble avis, si nous envie que manufacturing et exportation fait bien, nous vous développer à fond l'économie bleue, l'économie de la mer. D'accord. Autour, plusieurs activités et nous capables d'ajouter de bonne valeur, ouais. Du monde qui a gagné l'emploi. De quoi prendre capable... l'économie bleue d'un petit moment, le secteur manufacturier Reza Utim, qui constate offert et qui a une proposition pour booster ce secteur à deux minutes? Ben, nous constatons, oui, l'usine peut fermer. Nos business model n'est plus morcé. Nos coûts de production trop élevés face à une concurrence internationale et nous avons une usine existante, pas fin diversifiée en termes de produits et en termes de marché. En termes de produits, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus vers high-tech, high-end product. Pas ici aujourd'hui, ou bien différencier ou de l'autre marché, ou capable de prendre une fibre qui fait biodégradable, recyclable, etc. Trouver une chose qui différencie nous de nos concurrents. En termes de marché, il est quand même incroyable qu'il y ait un Africa Free Trade Agreement qui est ratifié et qui est signé par tous les pays africains. Et Maurice n'est pas présent, même pas présent, ni par nos premiers ministres, ni par nos ministres des Affaires étrangères, quand il signe la traité. Donc, si ce traité-là vient applicable à Maurice, s'il est ratifié et Maurice vraiment croit dedans, mais automatiquement, nous avons un nouveau marché pour nous, ben, industrie, c'est pas que comme on dit, tout le temps, aller dans l'Europe, aller dans l'Amérique, aller dans les récepteurs, nous capables de gagner. Maintenant, nous prenons un produit comme un téléphone portable. Okay? Aujourd'hui, un pays africain, ce n'est pas nécessairement un marché qui a envie d'un iPhone, d'un Huawei, d'un latest technology. Je suis content, c'est un téléphone qui est capable de gagner data, capable de gagner communiquer. Donc, si nous sommes capables d'attirer
entreprise chinoise. Nous faisons une assembly line à Maurice. Nous donnons 20% valeur ajoutée. Nous réexportons l'Afrique. Et si nous sommes capables de faire un contrat avec un pays, nous prenons par exemple République de Centrafrique. Aujourd'hui, République de Centrafrique, il fait tout ce ban diamant qu'il y en a, alpoli dans Anvers, en Belgique. Oui, après, retourner en Afrique. Mais si nous sommes capables de faire un deal avec Zot, qui saban l'usine là vient à Maurice, nous venons nous polir tout ce ban diamant là, nous montons, après nous réexportons l'eau l'Afrique, nous avons bien meilleur marché pour RDC. Donc nous avons renforcé nos liens économiques avec le pays de l'Afrique. Comment va-t-il au secteur manufacturier, bilan ouvert et. Comment citadin peut causer une quatrième révolution industrielle? Est-ce possible? Bien sûr, il est possible. Tout est possible. Ce qui, moi je vous dis, là, le secteur manufacturier, encore une fois, chiffre d'IA, il est en croissance. Ou à l'intérieur du secteur manufacturier et un sous-secteur qui est en bonne difficulté parce qu'encore une fois, ce gouvernement-là est en place depuis 5 ans. Une transformation du secteur. Il prend le temps ça pour mettre en place. Parce qu'il n'y a pas qu'à sens, une compétence, une dimension en zone. Là, je vais revenir au YEP, tout ça qui est important concernant les jeunes pour formation. Cause chiffre exportation, ban bien. Sous croissance, c'est moins 10% en 2008. Ça veut dire négatif. À checker. Mais non, chiffre bon, chiffre à checker. Donc, à l'époque, déjà, il y a un problème dans l'exportation ban bien. Exportation bien-service, quand nous pouvons guetter, actuellement, les positifs. Sous croissance positif. Exportation de bien, sous croissance positif. Mais mon revenu, oui. Et dans un secteur qui peut éprouver une difficulté, mais c'est un secteur là, nous n'avons pas de bonne solution. Qui est une solution? Ben, le gouvernement, qui lit le free trade scheme, qui lit un nouveau marché, qui lit un nouveau produit, comment pour développer le produit, tout ça peut faire. Mais il n'est pas pour changer un jour. Ça demande le temps. Après, il y a un gouvernement là, il prend. Il y a une urgence qui, par exemple, au salaire. Tout cela tient pourtant pour adresser au début. Parce que c'est la vie du monde, comme on dit au départ, l'économie, c'est pas au service, c'est être au service de l'homme. Donc nous besoin adresse ban urgence au départ. Là, mon revenu là, le chômage peut baisser. Et dans un sous-secteur qui est en difficulté, oui, et le gouvernement peut adresser dans budget après budget, de trouver qui peut venir. Et nous avons un soutien pour le secteur expo, soutien pour le secteur textile, et nous avons un projet qui peut venir. IDB fait critiquer, là, maintenant, je peux dire que BOI pénètre le bâtiment ciment. Et vous autres, 80 milliards d'investissements, période 2006-2014, FDI rentre dans Maurice. Plus que 80% allent dans IOS, OIS. Et c'est là que je viens de dire moi le contraire. C'est un projet qui ne finit pas pour. C'est normal qu'il continue. D'accord. C'est normal. Ramassez une cause de l'économie bleue, là, et dans l'économie verte aussi, est appelée l'économie bleu-vert. Donne-nous deux minutes pour dire nous concrètement qu'il nous capable de faire. Parce que c'est un secteur qui a un gros potentiel, mais il paraît qu'il reste au stade de potentiel. Nous pas trop oui, et qui, ou même au fin évoqué quand on est ministre des Finances, et qui nous en tient un tas. Et il y a un blueprint pour ça. Alors, il y a un secteur qui déjà existait dans l'économie bleue. Autour du tourisme, mon activité portuaire et après seafood hub. Nous besoin renforcer ça. Touristes, nous inquiets, nous avons une nouvelle façon pour nous vendre le produit touristique, pour nous grave augmenter la part du tourisme dans l'économie. Par exemple, nous avons fait un touriste dépense plus casse, Maurice, et nous pensons qu'à la sortie, c'est pas 120 euros qu'ils avaient dépensé, mais une descente, si nous proposons un produit pour se tester. Après, ou en a économie émergente, c'est-à-dire aquaculture, mais nous avons fait d'une façon responsable et d'une façon durable. Et après, ou en a un nouveau secteur, d'accord, comme logistique, si nous gagnons sens, nous trouvons un produit dans la mer qui nous grave exploiter. Alors, il y a un secteur existant, il y a un secteur émergent, et après, il y a un nouveau secteur, et moi, je suis convaincu, dans post-travail PMSD, si nous avons envie de faire manufacturing, c'est important. Nous gagnons un second revival de manufacturing, c'est pour autour l'industrie de la mer, mais nous devons investir dans l'infrastructure,
nous a donné un soutien financier, nous a attiré un investisseur. Mais nous link ça aussi avec l'économie numérique et nous link ça aussi avec l'économie circulaire. Mmh. Alors, la diversification, point important, la consolidation de notre secteur existant qui nous fragilisait, nous a résolu ce problème-là. Et après, transformation, nous monte en gamme dans notre valeur ajoutée et nous connaissons que cette valeur ajoutée était là dans notre produit de la mer et comme ça, nous capables de redynamiser l'économie, redonner confiance, mais vous avez une équipe pour faire ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'il passe travail, Pévin, avec seule équipe, Xavier Duval, pour ministre Finance, moi, pour responsable et ministère, pour promouvoir l'investissement, pour promouvoir le commerce extérieur, et pour être financial services, et pour être strategic planning, et mon camarade Eric Ning, il est ici pour donner un coup de main, une équipe. Vous avez une équipe pour donner confiance. Coup de main dans, en quelle capacité? Bon, ça, c'est le docteur Amoulam, c'est le prérogative, d'accord. Mais il y a un économiste, en nous prenant une bonne équipe économique pour redonner confiance, pour capable résoudre mon problème existant et aussi mettre en chantier mon nouveau projet dans l'économie circulaire, dans l'économie numérique et aussi dans l'économie. Et là, vous pouvez confier Eric Ning comme un de mon prochain. Non, pas moi qui choisis. Mobésis, Yahou Moussaki. Nous travaillons dans l'équipe ensemble. Nous travaillons dans l'équipe ensemble. D'accord. Xavier Duval. D'accord. Moi-même. Eric, et après, un conseil camarade économiste qui veut donner. Écoute, proposition réservée. Là, parce que en 2014, quand MMM, tu veux négocier, qu'elle travaille quand même. Ramas Salen, qui a insisté pour être ministre des Finances, ministre de l'économie, ministre des secteurs financiers. Alors que moi, je suis pas envie de vivre dans le secteur financier, donc il est bon qu'il y ait la sagesse pour partager maintenant avec travail, avec une autre partie. Mais au réservatif, vous présentez comme ministre des Finances pour le même nom? Ben, attendre une semaine, Béranger India, après Nomination Day, nous pouvons nous présenter, nous front bench, nous front bench, et ben, du monde qui peut occuper. D'accord, donc c'est une petite parenthèse. Nous vivons l'économie bleue en deux minutes. Oui, mais moi, pensez qu'il ne faudrait pas nous réinventer la roue. On a le guetté qu'il fait ailleurs. Demain, petit île, Hawaï et autres places, vous connaissez tout ça, l'hôtel là, comment vous faites l'électricité, ou bien comment vous faites air conditioning. Climatisation, de service de la mer. Aujourd'hui, nous pécos fintech. Fintech, c'est où vous êtes prendre un ordinateur qui, comment dire, reste travail, de faire ça un bitcoin, de faire comment avec ça une formule. Mais tout le monde qui connaît ordinateur connaît que ordinateur souffle. Donc, vous êtes un cooling system. Nous dans l'océan, nous sommes capables d'avoir ça cooling system. Aujourd'hui, quand on fait l'énergie renouvelable à partir de la mer, l'Union européenne a un carbon credit qui vous gagnez au niveau international, Nations Unies, tout ça là pour justement préserver la planète contre le réchauffement climatique. Donc, vous pouvez gagner casse quand vous pouvez faire l'énergie renouvelable. Donc, ce n'est pas le gouvernement simplement qui vous a subventionné, mais internationalement, vous gagnez casse pour faire ça. Donc, vous pensez simplement, vous avez une leadership, vous avez une vision, vous avez une équipe qui croit dans l'économie bleue. En plus de tout ce qui est Dr. Sinatène India, qui est tout à fait d'accord, comment nous sommes capables d'exploiter. L'économie bleue, mais il y a aussi ça, côté cooling, air conditioning, cooling, qui, pour moi, qui représente une bonne chose. Maintenant, côté l'économie verte, pareil, pour moi, nous pouvons faire mécanisation de l'industrie guerre, nous tous nous connaissons qu'aujourd'hui, l'industrie canière, nous n'est plus cause l'industrie serrière, l'industrie canière. Donc, bagasse, c'est une valeur. Mais tout ben l'endroit que tu trouves, que les plus profitables, ou capable d'avoir un high fiber product, un produit. Qui est un high fiber qui est capable d'utiliser pour générer l'électricité à travers ce qu'on appelle biomasse. Et ça aussi pour réduire nos dépendances sur l'importation de l'huile lourde. Et en même temps, nous pouvons gagner un carbon credit au niveau international. Là aussi, pour gagner un casse pour faire ça dans le projet là. Docteur Badati, l'économie bleue, pour l'idée était en deux minutes. Et surtout, qui c'était un projet qui a annoncé pendant ces 5 ans là, comment dire, pas fini le grand développement dans ce secteur là. Pour faire un développement comme ça, c'est une transformation encore une fois. Au besoin, non, bagage là et ce aspect légal. Le know-how. La loi Estella, pendant toute sa bonne année, là je ne sais pas si tu connais, mais Estella, Maurice, nous capables développe nos propres brevets et pour enregistrer à Maurice. La loi ne fait pas ça. On pense que dans le Parlement, je te connais avec IP Bill. Et c'est ça qui est primordial pour le développement de tous les secteurs, pas simplement du secteur de l'économie bleue ou l'économie verte ou peu importe, quatrième révolution industrielle. Parce qu'il m'aurait dit, le passé, c'est le passé. Transformation, il a l'économie dynamique.
L'OCDE avec BEPS. Maintenant, ou pas capable de faire n'importe qui vient fabriquer n'importe quoi à Maurice. Brevet là, vous êtes développé dans le pays. L'air là, ou qu'à fabriquer. Et c'est ça qui était important au départ même pour capable permettre un investisseur venir dans Maurice. Et c'est là où pour non, ça un investisseur là. Et un secteur qui me trouve assez drôle, qui personne va me causer, une cause tourisme, bien sûr, tourisme vert. Et non, place pour Maurice, parce que Maurice, c'est un bon pays les plus paisibles au monde. Mais il y a un secteur qui, pour moi, a un gros potentiel, le format tech à Maurice. Et il y a déjà un centre de recherche qui vient d'établir à Maurice. Et ça, ben là, quand on cause aux autres, je dis, oui, il y a tout à Maurice. Il manque ça et puis il y a pour développer. C'est-à-dire, je peux faire la recherche, ça, brevet là, je vais le faire, Sydney, Sud-Afrique. Là, elle n'a pas qu'à fabriquer Maurice. Et c'est là où pour qu'à pas fabriquer Maurice. Parce qu'il y a un PIB déposé dans le Parlement, nous capables de ratifier un brevet. Ça, c'est un développement majeur pour nos développements, peu importe le secteur. Qu'il y ait fintech, qu'il y ait formatech, qui, peu importe le tech, parce que ce n'est pas une la mode, c'est technologie. Tout ce secteur-là, maintenant, c'est technologie qui est rentrée. Et là, nous ne sommes pas capables avec un vieux modèle. C'est vieux modèle, ça, sorry, mais tout est changé maintenant. D'accord. Allez, bon, quelques secondes. Donc format pour moi, c'est l'avenir pour Maurice. Qui faire? Format tech, c'est ban high skill workers qui pourront être là-dedans. Donc, c'est passionnant quand on tonne sa ban jimoun la, cause de qui est dans Maurice, qui faire parce qu'il nous est dans la mer là autour, ça ban al qui nous est dans la mer, ça ban produit qui nous est dans la mer là pour permettre nous développer ce secteur là. Et je t'envie vini, je pour vini, mais tu bisais mettre en place ça. Déjà, une affaire qui est bien important, c'est qui ou bisais une ease of doing business qui performant. Maurice quand même. Peut-être là aussi pour dire qu'il est falsifié, mais nous dans top 20. D'accord. Nous 189 pays, mais oui. Nous premiers en Afrique. Et ça, l'est déterminant aussi. Ramassanen, nous avons beaucoup intelligence artificielle, fintech, blockchain, technologie, etc. En deux minutes, tout capable de nous, un gouvernement travaille, CPMSD, qui peut faire pour développer ce secteur-là concrètement? Vous voyez, encore une fois, hein, c'est un grand thème. Ce que nous devons faire au niveau programme, c'est guetter comment il y a ce concept-là, nous appliquer d'une façon très simple pour faire un travail. À travers formation, à travers l'éducation, à travers un soutien institutionnel qui nous rend jeunes capables d'investir là-dedans, nous rend jeunes qui ont un travail dans mon application. Une quantité de place qui a fait ça, ou qui a fait ça dans le domaine paiement, dans le domaine accounting, dans l'agriculture, dans la comptabilité, dans la finance, ça va une application là. Les là, ça va une zone là, capable de venir une propre entrepreneur. Est-ce qu'il nous besoin? Nous besoin soutenir les autres à travers mon incubateur. Nous besoin d'une zone grande. Il y en a beaucoup de pays qui donnent une grande pour capable créer l'innovation, pour capable créer la technologie. Et après, nous capable non seulement appliquer ça dans le domaine à Maurice, nous capable exporter cette application là. Ça va une skills là, Maurice, une skills. Exactement, moi, tu veux là. Alors, nous avons un peu de skills que nous besoin continuer. Développé, mais nous avons aussi ouvert nos pays pour nous capables d'avoir des spécialistes qui viennent de l'étranger pour capables aider, pareil comme nous faire dans les autres secteurs. Et nous avons servi ça aussi pour faciliter la vie de nos citoyens et la vie de nos entrepreneurs. Beaucoup de quelque chose qui est capable de faire online, qui est capable de faire une base digitale. Maintenant, nous allons faire là. Qui est dans l'hôpital, qui est dans l'éducation, pour qui gagne le PMI, pour qui gagne la banque. Mais en même temps, nous sommes capables aussi de créer ce job-là pour ce jeune-là. Et nous sommes capables aussi de faire devenir un entrepreneur. Aujourd'hui, un Mauricien qui reste flac, ou qui reste plein verte, ou bien qui reste rosile, ou bien qui reste catabone, capable de développer une application, nous sommes capables de vendre ça partout dans le monde. C'est ça au fait qu'il vient virtuel. Et nous sommes capables de faire aussi outsourcing. Beaucoup d'activités dans beaucoup de domaines. Maintenant, je peux outsource cette activité-là. Et bien, Mauricien, si nous donnons un encadrement institutionnel, si nous donnons une grande, nous avons une banque grande qu'on a beaucoup fait. Est-ce qu'il est pour 70%? Est-ce qu'il est pour 75%? Qui a un montant qui est pour remboursable? Les gens ont investi là-dedans et gagner l'emploi et créer un nouvel emploi et aussi capable d'être un entrepreneur dans la nouvelle économie numérique.
On écoute les propositions de réservatisme en deux minutes, l'économie numérique, blockchain, intelligence artificielle, tout ça. Dans le côté de FinTech, nous perdons beaucoup de temps. Un peu pareil que moi, le docteur Padalatip est cause produit pharmaceutique, mais il annonçait pourquoi tous les ans, les quatre dernières années, et toujours pas de faillite, cinq ans, je vais de faillite. Pareil comme ça, FinTech finit une commission présidée par Lord Desai qui ne publiait ce rapport il y a plus qu'une bonne année. Et me disait poser une question de parlement pour qu'ils aient dit comme ça, oui, depuis un an, il finit déposé, parce que moi, tu connais, mais tu crois, il y a encore payé ongoing. Donc, nous finit pas dire un an. Et nous, toujours pas encore, il y a une réglementation. Et on a plusieurs camarades qui vivent, qui attendent, qui maurissent règlement de système FinTech, et entre-temps, ben, l'autre pays paye des sous nous. Mais comment on dit FinTech, nous visons une c'est une protéine d'emploi, mais nous visons un transfert de technologie, parce qu'ils ne nous pas connaissent, nous. Il faut dire que c'est pas une grosse boîte là, à ça pour de vie de Maurice. Ou vous avez tout un package pour vous. Et c'est là que je vous explique qui nous capable de faire sa cooling system. Nous vous trouvez un terrain pour nous autres parce qu'ils consomment énormément d'énergie pour faire sa bitcoin, pour mint, comment j'appelle ça, pour mint sa produit là. Mm-hmm. En deux minutes, Dr. Badati, question. Mon revin, c'est qui Reza peut dire concernant FinTech. Sorry, mais Reza, j'ai besoin de suivre d'un parlement qui peut passer. FinTech. FinTech, il diverse et il y a beaucoup sur ce secteur. Il y a un mot, mais il occupe beaucoup de place dans le secteur financier. FinTech, quand nous avons National Payment Bill, c'est FinTech ça. Ça peut permettre ben, les autres opérateurs rentrent dans le secteur pour développer un outil de paiement. Tout ça là, c'est FinTech. Il y a beaucoup d'affaires à faire. L'autre dessin, ce rapport, oui. Premières affaires, tu demandais, tu disais, mettre en place un comité concernant les sandbox licenses. Il mettait, peut faire en place, et il y a beaucoup de licences peut délivrer. C'est l'année dernière, ça l'année même délivré. Mais moi, le plus loin, c'est que nous, le travail qu'il nous a fait en même temps, Reza Pekos, le FinTech, le Pekos, le secteur financier. Nous, secteur financier, je dis un mot là, il était dans le noir avant. Il était un secteur caché. Nous avons besoin sans lui, parce que les règles sont changées et nous avons adapté lui et lui peut continuer à faire une croissance de 5%. L'emploi peut créer, peut continuer à créer dans le secteur, sauf qu'il y a un secteur maintenant qui profite à tous les Mauriciens, pas simplement à quelques privilégiés. C'est un secteur qui peut développer grâce à nous, simplement des affaires, qui me dit lui dès maintenant. L'OCDE nous utilise sur la liste grise, il joue pareil. Pourquoi je suis au courant qui nous sortit la liste grise, qui maintenant nous a la liste blanche pour l'OCDE et EU. Nous avons une institution internationale, Pévin Maurice, peut dire que Maurice peut développer dans la bonne direction. Fait que là, c'est dans IFREFI. IFREFI, c'est l'Institut francophone des régulateurs financiers. Tiens, Maurice, et je veux dire, ce président est causé. Il dit, Maurice, c'est un exemple concernant développement secteur financier. Donc moi, encore une fois, ce n'est pas pour faire politique politicienne. Mais mon rêve des affaires, parce que j'ai besoin de cause l'eau là. Maurice, un petit seconde, je prends l'eau là. Encore une fois, je donne Dr. Sitanen cause grande, etc. pour développer secteur. Encore une fois, si je comprends bien, nous pourrons revenir avec seule équipe qui appelle un économiste neutre, Eric Ning et certains d'autres, qui pour venir avec un projet pour le futur. Mais je peux trouver là de nouveau, pour venir avec programme CSNTIR pour 80% de la population, pour capable d'une grande, certains pour développer, pas connaît quoi. Ou connaît FinTech. Les réglementer maintenant, ne pas qu'à faire n'importe quoi. Donc c'est ça qui me pose moi la question. Je peux dire un côté, peut-être ça sentir, mais l'autre côté, pour donner une grande. Nous passons à un autre secteur en deux minutes, Ramas Sitanen, le secteur sucre. Là, d'après mes chiffres que j'ai trouvé, donc c'est un secteur qui carrément en déroute avec coût de production de 10 000 roupies la tonne et non coût de production 17 000 roupies la tonne et revenu 10 000 roupies la tonne. Donc c'est un secteur où nous attendons une grande réforme, l'avenir d'un chip dentaire concerné. Qui a une proposition pour... Est-ce qu'il est capable de sauver ce secteur-là? Qui a une proposition? Bien sûr. Et surtout, qui a une planter peut demander une augmentation concernant la tonne de canne? Oui. Bon, ça, le docteur Amoulam, il finit de dire. 15 ans. D'accord. Le principe, d'accord. Et aussi le montant,
qui vous a fait paiement, le base donne Cannes, au lieu donne ici. Quand on donne ce chiffre-là, les bons qui nous connaissent, qui ont pas fait prendre tout bon revenu dans la chaîne de valeur. Parce que nous pécose l'industrie cannière, on a DICIC, on a l'énergie, on a mélasse, on a éthanol, on a même les autres produits dérivés. Et nous tout connaissons qui, aujourd'hui, les cassés. Ben là, il y a un prix pour DICIC, après, il y a un montant pour bagasse, après, il y a un montant pour les autres produits. Bon, ben, c'est moi, vous avez fait une approche qu'on est tout ensemble. Et nous voulons soutenir Manti Plantaire pour la bonne et simple raison qu'ils ont mérité pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de sacrifices et ils ont pas les autres moyens pour être capables de générer des revenus par rapport à Ben Gros qui est capable de diversifier à cause de la terre, qui est capable de diversifier dans les autres secteurs. Alors, soutenir Manti Plantaire est extrêmement important. Nous pouvons investir dans de nouvelles technologies pour être capable de baisser le coût, d'être plus productif et en même temps, nous pouvons gagner plus de revenus à partir d'un meilleur produit. C'est-à-dire que nous avons plus d'ICIC raffiné, nous avons plus d'ICIC organique, nous avons plus en termes de produits dérivés, comme ça, revenu là, vous dépasse ce chiffre que vous pouvez dire là, pour nous capables de transformer l'industrie sucrière en une véritable industrie cannière, quand on a tout ce monde là, mais les besoins dépendants. Et, ben, planteur, je vous dis, je ne connais pas, parce que je dis, c'est un prix pour un produit, un bout d'un autre produit, alors nous pouvons gagner une solution pour capable de nous autres un prix qui reflète les efforts qu'ils peuvent faire et reflète le travail qu'ils peuvent faire et reflète la productivité qu'ils ont là, non seulement dans DICIC, mais aussi dans les autres chaînes de valeur. L'industrie est capable de soutenir dans sa demande-là? Nous pouvons soutenir parce que DICIC a un rôle multifonctionnel aussi pour protéger l'environnement, pour contre le réchauffement climatique. Mais nous remarquons que tout le monde est éliminé. Non, pour bon, gros. Et ça aussi parce qu'il prend une mesure qui facilite la conversion pour ban gros. Et ban type n'est pas capable de faire rien parce qu'il est trop tiré de la terre. Alors ça aussi, nous avons besoin d'une politique quand même pour capable être juste vis-à-vis de ban type plantaire. Si vous avez envie de convertir, vous allez les autres convertir. Mais nous avons besoin de soutien pour être capable d'augmenter la production et pour être capable de gagner une valeur ajoutée et pour être capable de gagner un prix qui est basé sur l'eau canne. À ce poste, comme il était aujourd'hui, les fragmenter, prix qu'ils ont gagné. Non, vous pensez que, déjà dit, c'est une méthode très pertinent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits plantaires, et il y a beaucoup de gros plantaires qui peuvent convertir ce terrain canne, qui fait parce que le gouvernement, ce politique, encourage à faire de sorte. Le gouvernement permet de convertir ce terrain canne en terrain golf. Qui se paient pour payer une duty. Le gouvernement permet de convertir ce terrain de canne en morcellement en smart cities. IRS. Donc le gouvernement même il vient avec une politique pour encourager qui diminue petit planter, gros planter abandonne canne à sucre. Alors que le MMM nous croit dans l'industrie cannière. Parce que comme on ramasse cette année une dire, nous pas c'est pas canne. Diminue pas réalisé sur l'impact environnemental. Sa quantité émission carbone qu'il absorbe, quand c'est l'oxygène qu'il donnait. Aujourd'hui, nous avons la pollution, une grande partie, à cause d'une canne à sucre. Et puis, le beauté, l'esthétique. Aujourd'hui, une carte postale, où on trouve canne, verdure partout. Nous avons cause l'écologie, nous avons cause tourisme vert. C'est l'industrie sucrière, c'est canne. Mais nous avons une répartition équitable des revenus. Et c'est pourquoi que nous, une des mesures prioritaires, c'est qu'il nous fait une table ronde. Nous appelons les gros planteurs, petits planteurs, nous appelons les usiniers, mais nous aussi, nous appelons le gouvernement et CEB, parce qu'aujourd'hui, c'est CEB qui a acheté l'électricité qui fait à partir de bagasse. Donc, CEB aussi, besoin de ce rôle pour guetter qui tarif qui vous paye ça. Et le gouvernement lit. L'IBISA promouvoir l'énergie renouvelable et l'IGA sur le carbon credit et l'IGA sur le financement d'un bailleur de fonds pour si nous pouvons réchauffement climatique. Alors nous pouvons faire une mesure pour aider à diminuer l'émission de CED, donc nous gagnons un fonds de ça. Donc moi, je crois et moi-même crois dans l'avenir du secteur cannier et nous pour une fois au pouvoir, nous pour make sure. Qui l'industrie cannière, l'irrentable. Rien en deux minutes, ou une proposition pour le secteur sucre. Ben, il est déjà là.
Le gouvernement, dernier budget, nous déjà met en place, bonne mesure. Connais, canne à sucre, c'est nous passé, c'est nous présent, c'est nous futur. Donc, l'IP est transformé déjà. L'IP passe d'une industrie sucrière, l'IP vient d'une industrie canière, côté dans beaucoup de by-products qu'il peut faire. Par exemple, pour qu'on soit au courant, et dans ban l'hôtel à travers l'Europe, qui servit d'ici, et dans ban manufacturier qui servit d'ici mauricien pour faire gel douche et shampoing. Parce qu'il y a un produit écologique. Donc, il y a un produit qui a développé, qui est bizarre à développer, mais encore une fois, je reviens à l'IP Bill. Pour développer ce brevet-là dans Maurice, il faut dire qu'il y a un IP Bill pour enregistrer ce brevet-là dans Maurice. Donc, la canne, pour moi, je voudrais dire, c'est notre avenir. Parce que pas juste l'industrie canière qui est importante, tout interdépendant là-dedans. Touriste, Calivin Maurice, ou quoi, il en vivant Getzis la terre, ou bien il est content Calivin Maurice, sa joli pays là, il peut get sa verdure là. Tout ça là est pourtant. Comme un étranger peut venir travailler Maurice, comme un dimoun peut get Maurice, parce qu'encore une fois, moi dis, Maurice, 8e pays plus paisible au monde. Donc, la canne, oui, mais une vini déjà, 25 000 roupies la tonne de sucre, mais pour les 60 premières tonnes. Qui faire pour les 60 premières tonnes? Parce que si planter, ce maximum li produire, c'est 60 tonnes. Donc, encore une fois, nous, sa politique qui nous peut primer là, c'est aide ban qui plus vulnérable. Pas aide ban qui pas vulnérable, parce qu'il ban gros planter, ban usinier, the PKF, servi la canne pour faire autre chose. L'électricité, by-product, ban produit de niche, tout ça là, je peux faire rhum, etc. Donc, je pas besoin sa subvention là. Mais me trouver, encore une fois, Pévini, quoi, subventionne ban qui pas besoin. Mon père trouve qui, pour une assez sentir et peut-être un additional stimulus package 2. Nous passons à secteur touristique, Ramastanen, en deux minutes. Secteur touristique, il y a une baisse dans mon arrivée de la Chine, de l'Inde. C'est un secteur un petit peu, il pas dire, il y a un secteur qui est en grande difficulté, mais un secteur qui peut montrer un signe d'essoufflement. Qui vous pensez bien faire avec, bien sûr, la grande question? L'ONU politique d'accès aérien et à Mauritius, qui nous fait en deux minutes. Vous connaissez, première fois, depuis très longtemps, que le secteur touristique ne peut pas se passer à cette crise-là. Et c'est un secteur qui est extrêmement important pour le nombre d'emplois, non seulement direct et indirect. Ban chauffeur taxi, ban planter, ban du monde qui vend légumes, tout du monde gagne de la vie quand le touriste fait bien. Et là, quand on cause avec ça, ben là, situation difficile. Nombre de touristes imbécés, quantité casse qu'ils ont dépensé par touristes imbécés, et recettes touristes aussi imbécés. Maintenant, les autres pays comme Maldives, comme Seychelles, peuvent faire très bien. La Chine, c'est un désastre. Nous avons perdu 50% de touristes chinois, d'accord, depuis à peu près 3 ans. Alors, nous avons besoin d'une politique d'accès aérien, surtout vers un pays que nous avons diversifié nos marchés. Nous avons une trop grande dépendance sur certains marchés, mais nous avons besoin de développer un nouveau marché. C'est un nouveau marché là, capable de nouveau la ville dans l'Australie, capable de marcher vers l'Est, capable d'un pays en Europe, capable d'un pays en Afrique. Est-ce que peut-être davantage vous nous laisser, les en cours Nous avons besoin de strike une balance entre l'assurance qui est Mauritius de nous, comme une compagnie aérienne, et en même temps l'ouverture pour nous capables de diversifier nos marchés, pour nous capables de diversifier nos produits. Alors, nous devons diversifier les marchés, nous devons diversifier nos produits aussi. Bien sûr, disons encore comme nous, comme une l'île, à cause de venir, à cause de la mer, de venir à cause du soleil, nous accueillons. Mais il y a tout un autre marché. Les jeunes, vous connaissez mon millénium, j'ai mon expectation différente. D'accord? Façon que nous promouvons Mauricie, nous a changé. Nous encore dépendons de nos détroits tout opérateurs. Nous avons servi la technologie, nous avons servi l'économie numérique, pour nous créer une sécurité plus richesse et plus possibilité pour nous jeunes, parce que c'est l'avantage des touristes. Il est aussi important qu'ils nous donnent une stratégie pour faire tout le monde bénéficier du tourisme et non pas seulement un secteur. Parce que les touristes, d'accord, les cascades down et tout le monde gagne là-dedans. Nous aussi capables de faire Maurice vivre un centre comme un pays de la région, maintenant avec une source and procure. Un produit de luxe qui nous capable de faire. Alors, il y a une série de propositions qui nous capable de faire. Touristes de l'intérieur, touristes de l'environnement, touristes verts, touristes culturels.
mais nous faisons améliorer la sécurité, nous faisons améliorer la propriété, et nous faisons sens, façon qui nous marquait, qui nous fait les traditions. Oui, mais cet aspect de all inclusive, quand vous finis pays tout à l'étranger, et à ce moment, ici peut-être le chauffeur taxi, le touriste finit louer ce taxi quand il est là pour déplacer à mort. Vous avez tout le monde possibilité. Par exemple, il y a beaucoup de monde maintenant, n'est plus seulement tout opérateur, vous faites votre booking, votre book online, vous achetez votre billet avion, vous achetez votre hôtel, et vous faites votre band itinéraire pour être capable de visiter. Alors, nous vous permettre cette même possibilité là. Nous vous aussi assuré, d'accord, qui nous a toute la possibilité pour bizarre et non all inclusive, parce que sinon, qui fait mal n'a pas pour venir. Mais bizarre, on a aussi possibilité qu'ils aient faire bed and breakfast and dinner, ou bien beaucoup de jeunes qui ont envie de voyager, je t'assaisisse, je te billets, après je te venir, je reste dans l'hôtel, ou bien je reste dans les autres hébergements, d'accord. Et nous, tu connais qui révolution Airbnb il a mené dans ce secteur-là, une quantité de mon concitoyen, ben, ici peut bénéficier de là. Alors, nous avons été comment nous faire un touriste qui amène un développement inclusif, qui tout ce monde opérateur là, qui gagne. Mais l'image de l'île Maurice, façon qui nous marque, pour visa changer, et le air access aussi, est extrêmement important. Ouais. Réservatif, donc, on va passer de nous 3 minutes. Parce que... Oui, parce qu'il commence une minute, ça, puis il a dit, il se posait une question, et il vous donnait la question. Non, moi, mon pensée, nous besoin réinventer nous-mêmes. Okay? Aujourd'hui, l'industrie touristique elle a des défis. Un côté, moins de recettes, moins de touristes qui viennent payer des pensions. Mais de l'autre côté, l'industrie est plombée parce que c'est endetté. Il y en a beaucoup de van l'hôtel qui me prend dette, donc il n'est pas capable de rembourser dette. La solution, c'est diversification des produits et diversification des marchés, pas des cœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'immunes quand vous voyagez, y compris dans le Mauricien, quand on est à l'étranger, surtout quand on est dans une grande famille, nous n'est plus resté dans l'hôtel. Nous restons dans la case qui va nous dire qu'il va louer Internet ou gagner. Donc, à Maurice aussi, de plus en plus, vous pouvez avoir un touriste qui peut venir et donc nous pouvons régulariser ce secteur-là. Et aussi, avec tour opérateur, comment nous sommes capables d'agencer ça. Aujourd'hui, nous avons un nouveau type de touriste, un touriste arabe, bien différent et qu'un touriste européen. Touriste chinois, bien différent. Touriste chinois, il n'est pas le nazi, il n'est pas sur l'état d'un bon la mer. Touriste chinois, il a envie de tirer photo, il a envie d'un espace culturel. Shopping. Donc, shopping. Donc, si on a envie, aujourd'hui, comme tout le monde le dit, il y a un énorme marché de l'Afrique. Maurice, nous avons un duty free paradise. Qu'est-ce que duty free paradise? Aujourd'hui, dit monde pas faire shopping Dubaï, pas faire shopping Malaisie, mais qui fait au lieu qui nous n'a fait shopping des hauts, qui fait nous partir là, ça va une possibilité qui va un étranger venir nous faire shopping ouais. À Maurice. Donc l'intérêt à Maurice c'est réservé. L'intérêt à Maurice, vous pensez qu'il nous besoin de strike balance. Et là, à cause même qu'il a un code sharing. Donc il besoin d'identifier un marché qui est un marché pas desservi. Nous prenons la Russie par exemple, un énorme marché, l'Afrique de l'Est, énorme marché. Donc, on ne parle pas, comment dire, à cause pour protéger Emirates ou en PES, Ban Airlines, qui a une grosse. Des trois fois une position dans le Parlement, le Qatar Airways. Ben, moi, je pensais qu'il est inévitable. Moi, je pensais, oui. Je n'ai pas trouvé qui fait, nous, bien, protège Emirates, parce que Emirates, aujourd'hui, une situation de monopole. Aujourd'hui, on réalise, vous voyagez pour aller à Dubaï, les côtés plus serrés qui voyagent pour l'Angleterre, parce que Emirates est un monopole, et il n'y a aucune raison. Qui fait si Qatar permet un ban touriste russe, ban touriste de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, qui fait parler Qatar vin Maurice. Bien sûr, qu'il est capable de faire un code sharing, un partenariat avec Air Mauritius. Pareil pour un pays africain, ban airline africain, comme ça aussi, nous avons un accord bilatéral, ban accord multilatéral, si besoin, pour gagner un touriste de l'Afrique pour venir au Maurice. Docteur Valachi, le secteur touristique, c'est un secteur qui peut montrer un signe d'essoufflement. Et puis, dans la question, on a beaucoup de gens qui ne faudrait pas nous trop surprotéger. Et à Maurice, si vous allez les autres compagnies rentrer, qui vous pensez où? Premier affaire, le Maurice, c'est edging du passé qui ne plombe. Donc, bizarre rattrape sa boute là. Ça edging là, lui-même, il a remboursé edging là quand il est capable de faire une transformation, acheter un nouveau avion lui-même. Donc, ça edging du passé là, Pépé Elise jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, l'industrie touristique, il y a une industrie qui dépend de l'extérieur. Nous tous connaissons qui, au niveau global, est un problème. Gilets jaunes en France, nous principal marché.
Oui, non, là, en ce moment, une manifestation en Espagne, tout ça là affectait l'industrie touristique. Mais, malgré tout cela, énorme croissance. Dans ce secteur là, c'est un man secteur qui n'a pas gagné suffisamment d'employés. On peut faire demande pour gagner employés étrangers pour venir travailler dans ce secteur là. Donc, ça a montré que malgré le problème qui est là, l'IP est capable de réinventer lui-même. Et moi, je me fais confiance. Je me fais confiance dans l'hôtelier pour qu'ils aient qu'à réinventer eux. Parce qu'il est non un cadre de Maurice. Nous avons déjà un attrait, pays plus joli, plus paisible, qui attire du monde. Et une deuxième partie qui est importante aussi, qui moi, je me pose, c'est Silva économie. On appelle ça l'économie d'argent. C'est un retraité qui a envie de passer un peu moment dans un joli pays. Il va vous faire plus que 6 mois, il n'est pas en droit. Donc, il peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais ça, c'est tout un écosystème qui vous a développé. Parce qu'il ne peut pas dans l'hôtel, il peut louer la case, il peut louer le taux, il peut aller à l'artiste, il peut consommer local, un produit local, restaurant local. Mais tout ça, pareil, il développe, sur l'aspect légal. Maintenant, il faire marketing, promotion, mais tout cela encore une fois, je ne veux pas dire qu'il prend beaucoup de temps, mais il demande le temps. Ce gouvernement-là, même si je ne fais pas partie de ce gouvernement-là, et je suis fier que mon représentant Pravin Kumar Jagnauth, ce gouvernement en 5 ans, il fait quand même pas mal. En 5 ans seulement. Il représente Kumar Jagnauth quand il est en banque de Maurice, c'est ça que vous entendez? Non, là, là maintenant. Ah, aujourd'hui, là, pas maintenant, pendant 5 ans, pas de retour. Non, il bon nous parce que. Non, parce qu'il. Là, quelque part, tout ça dans le secteur là, quand on peut guider, quand on est noir, le côté, tout va mal. Tout va mal dans le pays là, du monde pas peut consommer, du monde pas peut investir, du monde pas peut sortir, etc. Je me pose une question là. Hein. Docteur Citanen, une cause sécurité pour les touristes. Belibzal, démon solide, si vous tirez à Safe City. C'est un bon élément qui convertit plus touristes dans Maurice. Parce qu'il peut améliorer la sécurité dans le pays. Et pas ça qu'il dit. Ah bon? Ah vrai. Il n'est pas un dire, mais nous tous, il mal tendu. Sécurité, il mal tendu qu'à l'étudier. Mais pas bail looké. Il n'y a pas bail looké. L'étudier, il peut tirer tout caméra. Ça qui est looké. Il gagne des zones, nous débattons largement le CFCD. Il nous paraît beaucoup le temps. En 2 minutes, Dr. Padayachi. En 2 minutes, je pose la question. Pravin Jagnauth, il dit d'un éventuel prochain mandat, il peut doubler pension vieillesse, il peut faire les 13 500. Il dit en décembre, s'il prend pouvoir, s'il reste au pouvoir, en décembre, il peut payer pension vieillesse 9 000 roupies, il peut aligner le salaire minimum. La question, c'est combien ça peut coûter, coûte pour le casse, est-ce qu'il peut introduire une nouvelle taxe? Simplement, ce gouvernement-là, il n'a pas hésité quand il a mis des taxes sur les plus riches, il met les solidarité Lévi, les gens qui peuvent gagner plus que 3 500 000 par an. Et à l'époque, je me rappelle, je titane bien dans la radio, je crois avec vous-même, Sanawaz, que Dr. Citanen, tu dis c'est une taxe qui peut faire des gens quitter. Quitte Maurice. Moi, pas une personne quitte Maurice. Hein? Première affaire. Et deuxième, tu dis pas pour rapporter beaucoup d'argent. Au camarade Eric Ning, tu dis, c'est un économiste indépendant, tu dis que ça pour rapporter 100 millions, l'hyper rapporte presque 1 milliard de roupies actuellement. Donc, il y a une taxe, vous connaissez, il y a une réforme fiscale, bien faire parfois, parce que ce gouvernement, le prochain gouvernement, croit qu'il est préférable, le plus juste, taxer ban très riche. Parce qu'ils sont capables, qui taxer ban pauvres parce qu'ils sont nombreux. Ça, c'est différence dans politique économique de ce gouvernement-là. Et c'est pour ça qu'il est dans une transformation qu'il y a à faire. Donc, revenons aux pensions. Ouais. Une pension pour doubler les, vous connaissez tous les années, revenu de l'État, il augmente pas plus que 8%. Donc, l'argent, il crée. Il crée ça, nous crée de la richesse. Tous les années, nous pouvons créer plus de richesse. Ça qui permet nous, très mieux, nous ban
personnes âgées. C'est comme ça qu'il nous faut faire. Sans introduire une taxe, sans augmenter. Il faut faire un calcul, c'est pour ça qu'il n'y a pas pour mettre les 13 500 tout de suite. Et il y a une étape qui peut aider. Et il y a une étape future, même nos camarades Reza pour vous expliquer après. Et il y a toute une étape pour aller, quand l'IP passe parce qu'il c'est un minimum, l'IP comporte avec salaire minimum, qui va faire un minimum. Salaire minimum, c'est minimum qui nous pensait. Nous pas qu'à laisser 10 mounes avec 1500 roupies ou 1000 roupies. C'est ça le changement fondamental dans la politique économique qui peut suivre depuis. Alors, Ramas Tanen, Navin Ramoulam, lui aussi peut faire beaucoup de promesses. Hein, d'ici l'India, décembre, il peut augmenter la pension vieillesse, c'est pas une précise le montant. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, d'abord, moi, je viens dire qu'il y a ce CFCC-là, ce que le docteur Ramoulam dit, c'est pour une mesure de sécurité. Dit bon, mais pour surveiller ben du monde qui veut faire, ça nous pas d'accord. Maintenant, docteur Ramoulam me dit, c'est lui premier qui me dit qui nous donne pension vieillesse augmentation à partir de décembre. Il vous annonce ben chiffre, et dans l'équipe qui fait travail, et nous vous dit comment nous vous finance ça. Évidemment, une des bonnes façons pour financer ça, faut de la croissance d'une plus élevée. Faut de on l'équipe d'accord qui est capable d'inspirer confiance. Et quand vous gagnez une croissance plus élevée, évidemment, une recette pour augmenter. Over and above, ça qui nous gagne une augmentation tous les années. Alors, nous vous disons aussi. Est-ce qu'il faut revoir. Taxe, pour augmenter taxe? Non, bien sûr. Nous avons les moyens pour augmenter les recettes. 15% qui vous-même tu introduis là, est-ce que vous pourrez voir ça? Vous taxer davantage les riches pour une taxe. Vous connaissez, les 15%, oui. Il fait beaucoup pour ce pays-là, pour attirer l'investissement. D'ailleurs, pas de sensé. Le fondamental des 15% pas de sens. Et les bons que vous connaissez, quand nous sommes taxe sur 30%, 25%, 40 000 djimoun de la classe moyenne, tu arrêtes de payer taxes. Et 35 000 les autres djimoun, tu peux payer moins de taxes. Alors, ça, il nous donne l'effet pour stimuler l'économie. Croissance, c'est beaucoup plus que 5%, et nous peux créer 10 000 emplois, et l'exploitation, tu peux augmenter. Alors, nous vous venez, nous vous besoin revoir certaines priorités, pour vous éviter le gaspillage, pour vous revoir le train de vie de l'État, pour nous capables. Évidemment, donne de man vieux du monde qui nous fait beaucoup de sacrifices, qui nous fait beaucoup pour ce pays-là, nous sommes capables de gagner une meilleure pension, nous sommes capables de vivre. Donc, d'accord, pour que ça augmente la pension. Augmenter, bien sûr. Allez, lire le salaire minimal. Docteur Ramoulam, me dire. Et évidemment, il y a un comité qui peut guetter qui salaire minimum pour aider, alors pour annoncer ce mesure-là, mais pour aussi annoncer ce mesure pour madame, pour jeune, pour man planter, pour man sportif. Pour une série de mesures qui nous pourront annoncer. D'accord? Évidemment, on ne peut pas lire tout l'ensemble du programme. On n'en sait pas 15, 20, 25 ouais. Mesures fortes. L'État est terminé, Ramassan. Qui, pour capable, relance l'économie. Dans la vingtaine de mesures qu'il lui a même fait proposer, les arbitres, on trouve vous autres aussi. Ils ont fini avec quelques mesures populaires. Donc, une allocation chômage, 5 000 roupies, 1 000 roupies encore pour une madame, pour capable envoyer les jeunes enfants crèche, etc. La pension également, on dit à bizarre, aller sur le salaire. Avant de retourner à ça, laisse-moi corriger des affaires. Premièrement, et probablement parce qu'il n'y a pas dans le Parlement, le docteur Balanachi Parkoné, qui, ce premier ministre, il fait plus pour un dimoun riche que pour un dimoun misère en termes de taxes. Parce que peut-être qu'il n'y a pas réalisé ça, qui taxe sur l'exportation de 15%. Ça veut dire l'industrie crière, quand tu peux exporter tout ce district, tu peux payer 15% de taxes. Tout un gros monsieur, tout un baron, tu peux payer 15% de taxes. Aujourd'hui, comment il paye 3%. 3%, 80% taxes en moins, Bandimoun RIS, qui fait exporter, qui exporte de d'ici, qui exporte de produits, je paye 80% moins. Ça, donc pas une faire hypocrite, une faire comment dire, nous faisons pour petit du monde, non, on fait aussi pour vous gros du monde. Vous réalisez, vous passez dans l'income tax, vous faites un amendement avec effet rétroactif pour permettre à une compagnie textile bénéficier d'un tax rebate. Quand ce cas fait under investigation, MRA, ça c'est une faire. Donc, pas venir dire, bon, moi, pas de blâme, parce que à l'époque-là, il était banque de Maurice, donc il est parti dans la politique. Mais moi, je suis dans le Parlement, je connais qui sa gouvernement, il fait beaucoup plus pour un gros capital en termes de tax savings qui pour un petit monde. Maintenant, vient l'eau sous le financement. C'est le même gouvernement dans le budget. Il te dit, il peut augmenter, je ne sais pas combien, 500 roupies. Par effet, il vit 9 500 roupies s'il n'y a pas augmenté. Nous, le MMM, nous dire et nous mettons dans nos programmes, nous pour aligner pension
avec salaire minimum. Que pour Tchakas? Il n'y a pas une diète 13 500, parce que 13 500, on n'est pas capable, il n'y a pas logique qu'il y ait une dîme salaire minimum. Il travaille, il gagne 9 000, mais il n'y a pas travail, il gagne 13 500. C'est, ça, c'est pure démagogie. Ouais. Donc nous, nous, animés. Quand nous ne trouvons pas ça, pas pour répéter tout ce qui est en Macitane, en Indien, je vous dis, ajoute des quitteuses. Première quitteuse, gaspillage. Rapport au l'audit, sanction. Une de nouvelles mesures prioritaires sanctionne ben abus. Ça veut dire, comment dire, que d'eau sorti 2 milliards, 4,5 milliards. Après, dans 7,05, dépense 3 millions, mais c'est ma, au lieu de faire un terrain de football, une faire une piscine de natation. Oui, il y a du monde, vous vous en rendez compte. Sanction pénale. Après, il ne faut pas oublier, ben une vieille du monde. Je ne pas économiser, je prends ça casque que je gagne là, je retourne ça dans l'économie, je paye l'étude de mes enfants, je dépense. Donc, casque que vous pouvez gagner, un côté, il peut aider pour rouler l'économie, qu'avec ça, l'économie là, vous pouvez générer la croissance, et à travers la croissance, vous pouvez gagner plus de taxes. Donc, il n'est pas aussi difficile qu'il soit pourvu qu'il y ait un montant raisonnable. C'est la fin de cette émission, mais avant ça, il y a quelques auditeurs quand même qui nous appellent. Nous écoutons quatre auditeurs en même temps, enfin en même temps, un après l'autre. Et puis, nous faisons tout de table pour terminer l'émission. Nous avons Fawzi de Port-Louis, Mylène de Pointe-au-Sable, Issoub de Port-Louis et Gouna de Varkois. Allô, oui, bonsoir. Gouvernement, je ne vous augmente pas. Que je vous gagne à casse, ça vous augmente pas. Merci. Bonsoir. Moi, je suis content de prendre la parole au candidat MSM ML. Après le Jésus qui a annoncé qu'il y a 500 rupies en janvier. Pour la journée mondiale des personnes âgées, je dirais plus de 13 500. Maintenant, ça en arrive 9 000. Je pense que du tout, qu'en s'agit-il de personnes handicapées et les enfants orphelins. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Vos questions, posées pour moi, M. Ramassitanen. Est-ce qu'il pourrait amener sa politique une seule 26 actes? Mais deuxième question pour M. Youtim. Est-ce que vous, leader, pourrait amener ça et 70 millions de man baron s'écrier avec Marie-Dille Ilovola? Pourrait y en ça? Merci. Bonsoir, Radio Plus. Donc, ma question est économique. Comment je cadre cette économie? Nous passons dans plusieurs cyclones. Là, ça qui est une économie malade, nous devons partout. Tout peut vendre même. Là, nous devons faire pour ça. Sauf ça, même malheureux là. Pas avec tout cadeau. Merci. Voilà, on pense à quand même sur dose de questions ramassées. Voilà, la première question, il nous a répondu. Il y a 26 actes qui nous posent une question là. Bon, sa question là, c'est quand une compagnie, une des grandes faillites, qui a une hiérarchie en termes de priorité pour les paiement. Et il est clair là-dedans qu'il nous besoin d'un système pour capable protéger les travailleurs. Et il y a différentes façons de faire ça. Ce n'est pas une contribution au début, ou bien sans un chiguit, sa priorité là. C'est un équilibre qui vous pouvez tenir, parce qu'un côté, évidemment, il est capable d'être difficile pour la banque prête l'argent, et l'autre côté, il est injuste vis-à-vis d'un travailleur qui ne travaille dans une usine, qui ne travaille dans une entreprise, perdit tout un seul coup à cause d'incompétence à certaines entreprises. Alors, il faut vous revoir sa priorité, qui, quand ramasse man casse, qui s'en a qui gagne cette casse en premier est capable d'augmenter l'autre dans lequel fait ça pour capable protéger à pas travailler. Résa ultime, la question c'est est-ce que vous leader pour le Béranger pour refaire un cadeau à un baron sucrier? Ben nous pas donner plus casse qui MSM nous donner. MSM permet de convertir ce terrain canne en terrain golf sans payer un sou. Permet de convertir en smart city et en plus de ça, réduire la taxe de 4%, 4-15%, 23%. Donc, non, du tout. Mais par contre, sa deuxième question, il le veut là, on me dit oui, nous fiers. Sinon, pour référer, il le veut, nous pour référer, parce que c'est grâce à il le veut qu'ils ont dit qu'on a Cyber City, ils ont dit qu'on a une centaine de personnes, des milliers de personnes même qui travaillent et qui verrouillent l'économie. Donc, moi, on pensait qu'au contraire, c'est un symbole de quand MMM, il a innové et il a créé l'emploi. Docteur Padati, c'est vrai, dans le budget, tu dirais pour augmenter pension par 500 rupies, et là, tout d'un coup, on peut dire pour donner 9 000 rupies en décembre. Qui explique ça? Mais pour moi, c'est un programme, c'est une envie. Quand il venait en 2014, tu annonces 5 000 rupies, je ne fais rien. C'est un projet de société. Moi, tu as content d'ajouter un démo, parce que maintenant, un camarade peut causer, peut dire pour ban malhérer. Mais ce gouvernement-là, qui ne fait beaucoup plus pour ban malhérer. Moi, je rappelle une affaire très importante. Personne ne va causer. Prix Nobel l'économie cette année-là. Il est attribué à trois grands professeurs d'économie. Les bons travaux, c'est l'eau pauvreté. C'est sur l'impact de l'économie et surtout comment réduire la pauvreté. Je dis à où, c'est en investissant là-dedans
qui ont développé l'économie. Parce que l'impact inégalité, l'eau l'économie, est énorme et c'est ce qui a affecté Maurice. Parce que l'inégalité, qui est mesurée par Gini, est super augmentée en 2006 et 2014. Ça aussi, les chiffres démontrent. Et un rapport World Bank là. Donc, pour finir, je suis content de dire, nous pouvons dire, l'économie va de mieux en mieux, nous pouvons développer, nous pouvons créer de la richesse, nous pouvons dépasser 500 milliards. C'est ça qui peut permettre nous, parce qu'il y a un taux de taxation de 20%, pas pour vous mettre plus de taxes. Ce qui résa peut dire, nous taxer 10 mounes riches, mais pas l'entreprise qui peut fabriquer la richesse. Il y a une grosse différence là-dedans. Quand on peut augmenter taxes sur les sociétés, il fait dire qu'il peut aider le secteur sucrier, mais il peut envie de mettre plus de taxes sur le secteur sucrier. Je ne peux pas trop comprendre la logique. Pour finir, te fait dire baron sucrier. Mais baron sucrier, il peut payer 15% de taxes, plus 5% s'il peut gagner plus que 3 500 000. Ça, c'est différent. On mentionne le chiffre de 3%. Une question adressée à vous trois. Est-ce qu'ils veulent prendre l'engagement si je peux prendre pouvoir ou si je peux rester au pouvoir, qu'ils ont pour introduire la loi contre gaspillage fonds publics. Ah oui, c'est tout dans nous. On trouvera résoudre la loi pour introduire la. Ah oui, bien sûr que ça. Nous avons besoin d'une responsabilité fiscale. D'accord. Nous avons besoin d'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il y ait une transparence et surtout qu'il y ait une accountability. Résoudre une cause sanction pénale. Mais besoin pour sanction. Pour vous apprendre sanction et pour vous donner une explication. Pas capable qui lit rapport directeur logique ou bien rapport PSI, public accounts committee, on a toujours. Alors pour bien prendre une sanction, mais pour bien aussi une responsabilité fiscale, d'accord, comment il y a dépenses bancasses. Et non pas prendre la monnaie à gauche, à droite, gaspiller et peine à résultat. Alors pour bien, outcome driven. C'est-à-dire qu'il a besoin et a une exigence de résultats pour chaque sou que le gouvernement dépense. Mais Artem, oui. Qui la loi Mais nous, inspirez-nous, qu'est-ce qu'il fait ailleurs ou dans l'Angleterre, pour les Public Misfeasance Fund Bill, Act, qui vient dire quand on dilapide les fonds publics. Tout le monde, tous les ans, lire à Apology, tous les ans, on a une la gazette dédié trois corps sur édition Zislo, rapport le dit, scandale au scandale, gaspillage au gaspillage. Tant qu'il n'y a aucun pouvoir donné au directeur de l'audit pour prendre sanction, mais il continue comme ça même. Docteur Badassi. Moi, tu pourrais venir Zislo en affaires, je trouve étonnant, ban causé là, mais quand je suis au pouvoir, l'État est dans l'edging, mon parti est dans le causé. Parti est dans tout ça là. Edging, c'est plus gros scandale ça. 8 milliards d'un côté, 6 milliards de l'autre côté. Qui s'en est remboursé ça? Consommateur et Amorcius. Pour revenir au programme, moi, c'est le leader qui peut annoncer le programme en temps et lieu. Il peut venir avec ce programme économique et ce programme institutionnel et nous tout pour ouais. Découvrir. Donc, ou pas qu'à prendre son engagement? Je pas qu'à prendre aucun engagement. Pas mon leader qui peut venir donner mesure là. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dr. Sitanen, Dr. Padeati, Reza Wittim, merci Jagdish. Et merci. À vous trois, bonne chance. Nous ne pas connaître qui s'en a pour présenter le budget 2020-2021. En tout cas, pas moi. Moi, vous, ministre des Finances, c'est nous gagner. Écoutez, il y en avait, nous, en politique, les choses passent très vite. C'est d'accord. Voilà, merci, bonsoir. Au cœur de la campagne.